Ouais, bah c'est ce que j'ai défendu auprès de Lotte, de Marco. J'ai dit, ouais, il y a un moment, ça suffit, quoi. Deux, bah si, moi, je t'ai soutenu quand même à un moment. Hein. Un moment, en essayant de faire le tri, j'ai dit, bah, Simon a raison, traitons. Ah, bon. Mais.
Alors, chers collègues, je propose de commencer nos travaux. Je déclare ouverte la séance plénière du Parlement de la région de Bruxelles-Capitale du vendredi 5 mars 2021. Ik verklaar de plénière vergadering van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement van vrijdag 5 maart 2021 geopend. Le ministre-président devant s'absenter cet après-midi, je vous propose une modification de l'ordre du jour par l'inscription d'un débat d'actualité à l'issue du point 2 de l'ordre du jour. Proposition de recommandation de la commission spéciale consacrée à la gestion de la pandémie relative à l'application par le gouvernement de la région Bruxelles-Capitale de l'ordonnance du 27 avril 1995 sur les services de taxi et les services de location de voitures avec chauffeur. Pas d'observation ? Il en sera ainsi. Les auteurs des questions d'actualité et l'ensemble des groupes politiques en seront prévenus dès maintenant. Diverses communications ont été faites au Parlement par la Cour constitutionnelle. Elles figureront au compte-rendu intégral de notre séance. Divers arrêtés ont été transmis au Parlement par le gouvernement. Ils figureront également au compte-rendu intégral de notre séance. En application de l'article 88 de l'ordonnance du 23 février 2006, le service public régional de Bruxelles nous transmet divers arrêtés et une décision. Elles figureront également au compte-rendu intégral de notre séance. Par lettre du 5 février, le ministre-président Vervoort et le ministre Maron informent le Parlement que par décision du 3 décembre 2020, le gouvernement a exprimé son soutien à la mise en place de la commission délibérative qui participe au renforcement de la participation citoyenne et à l'exemplarité de la région et répond à la volonté exprimée dans sa déclaration de politique régionale 2019-2024. Le secrétaire général du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles transmet en la seconde édition de la publication les chiffres clés de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Par courrier, le gouverneur de la Banque nationale transmet le rapport annuel 2020, préambule, développement économique et financier, réglementation et contrôle prudentiel, renvoyé à la Commission des affaires économiques et de l'emploi. La commune d'Anderlecht transmet une motion adoptée par son conseil communal en sa séance du 21 janvier 2021 relative à l'opposition au projet de la taxe kilométrique Smart Move, renvoyée à la commission des finances et des affaires générales. Le gouvernement a déposé le projet d'ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération entre l'État fédéral, la région flamande, la région wallonne et la région de Bruxelles-Capitale portant coordination de la politique de transfert transfrontalier des déchets. Pas d'observation ? Verzondenaar de commissie voor het leefmilieu en de energie. En date du 4 mars 2021, le gouvernement de la région Bruxelles-Capitale a déposé le projet d'ordonnance portant assentiment à la modification du 22 juin 17 de la convention du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure des annexes et des appendices A321-1. Renvoyé à la commission de l'environnement et de l'énergie. Prise en considération, l'ordre du jour appelle la prise en considération de la proposition d'ordonnance de mevrouw Siltje van Achter, de heer Matthias van den Borre en Gilles Verstraten, houdende wijziging van de ordonnantie van 23 februari 2006, houdende de bepaling die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle. Document nummer A282.1. Geen bezwaar. Verzonden naar de commissie voor de financiën en de algemene zaken. L'ordre du jour appelle la prise en considération de la proposition de résolution de Madame Dufourny, Monsieur Van Watsenhoven, Monsieur Weitzman, Madame Tchekalski, visant à l'instauration d'une plateforme unique d'adoption des animaux coordonnant les différentes annonces des refuges animaliers agréés en région de Bruxelles-Capitale. C'est le document 293-1. Pas d'observation, renvoyé à la commission de l'environnement et de l'énergie. Chers collègues, l'ordre du jour appelle la discussion générale conjointe des propositions de recommandation de la commission spéciale consacrée à la gestion de la pandémie de Covid-19 par le gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale et le collège réuni de la commission communautaire commune. La discussion générale conjointe au Parlement de la région de Bruxelles-Capitale et de l'Assemblée réunie de la commission communautaire est ouverte. Conformément à la décision du bureau élargi du 24 février, le temps de parole sera de 5 minutes par groupe politique
Et je cède immédiatement la parole à nos deux rapporteurs, Madame Delphine Chabert et ensuite Monsieur Benjumea Moreno. Madame Chabert, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Mais donc nous sommes vraiment heureux et satisfaits aujourd'hui de vous présenter ce texte, qui est un texte important, 183 recommandations, plus de 1000 pages de retranscription d'auditions, 60 auditions ont eu lieu dans cette commission qui a duré plusieurs mois. Je rappelle les objectifs de cette commission spéciale, c'était vraiment de pouvoir entendre, ça a été un moment de parole important cette commission, un moment d'audition, un moment d'écoute, de pouvoir donner la parole et de pouvoir reconnaître et rendre visibles toutes ces personnes qui ont été les plus directement dans la gestion de la crise, au plus près des personnes les plus vulnérables et qui donc ont traversé des moments extrêmement difficiles. Ces personnes ont été auditionnées, entendues, avec une grande qualité d'écoute pendant l'ensemble de ces débats. Ça aboutit à ce rapport. Donc, ce moment d'expression était important. L'objectif de ce travail, je le rappelle, est d'aboutir à des recommandations pour fixer un cap au gouvernement pour mieux nous préparer pour les prochaines crises. L'objectif était vraiment d'identifier les points d'amélioration dans nos fonctionnements institutionnels, nos fonctionnements politiques, l'organisation des services, des modes de subventionnement, etc., pour mieux nous préparer pour les prochaines crises, et ça sur quatre grands volets. Un premier grand volet concernant la coordination, la sécurité, le lien avec les pouvoirs locaux. Un deuxième gros volet, le plus important, bien entendu, puisque c'est une crise sanitaire, le volet social-santé. Un troisième volet sur l'économie et l'emploi, puisque ça a été une dimension importante dans la gestion de cette crise. Et un dernier volet important, plus petit en nombre, mais très important, un volet plus transversal relatif à la question des libertés individuelles, de la protection des données, etc. Et donc, quelque part, c'est un programme de travail que la commission spéciale donne au gouvernement aujourd'hui, et nous réjouissons de la présence des ministres auditionnés pour nous entendre aujourd'hui, entendre les débats. Ces débats ont été très, très riches. Une des paroles fortes qui est sortie de cette, il y en a eu beaucoup, hein, mais de ces auditions, c'est qu'on ne pouvait pas imaginer un pire stress test de la sixième réforme de l'État pour notre région bruxelloise, notamment dans l'héritage de ces nouvelles compétences en social santé, et que l'objectif est d'aboutir à un nouveau modèle de crise, à un modèle de gestion de crise qui soit beaucoup plus optimal et qui permette d'éviter les écueils inévitables qu'on a connus pendant cette crise et qui ont été identifiés point par point par l'ensemble des personnes auditionnées. Dans les grandes thématiques transversales, puisque j'ai très peu de temps, hein, ce qui est ressorti, et vous le verrez dans ce document, mais c'est vraiment cette question de la nécessité d'avoir une unité de commandement, beaucoup plus de clarification dans les chaînes de décision, dans les clarifications de compétences. Autre volet extrêmement important qui traverse l'ensemble du texte, que ce soit dans les auditions et dans les recommandations, c'est la question de la coordination. Coordination entre tous les niveaux de pouvoir, coordination entre les administrations elles-mêmes, coordination avec les services de première ligne, avec une attention très particulière sur le rôle fondamental joué par les communes dans la gestion de cette crise. Autre point transversal, axe qui structure l'ensemble de ce rapport, c'est la question de la prévention et de la nécessité de renforcer nos politiques de prévention, que ce soit des politiques de prévention sociale, sanitaire, mais y compris économique, pour mieux préparer notre tissu économique, notre tissu social à résister à une crise d'une telle ampleur. Autre ligne transversale, la question de la communication, extrêmement importante par rapport aux citoyens, aux citoyennes, aux usagers des services, pour d'une part comprendre un peu ce qui se passe, mais aussi pour comprendre mieux ce qu'on leur demande, c'est-à-dire l'application des mesures de protection, des gestes barrières, etc. Mais aussi communication par rapport aux travailleurs, par rapport aux services eux-mêmes, communication à tous les niveaux. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis la question de la proximité, je le disais, rôle central des communes. C'est quelque chose qui ressort extrêmement fort. Alors, dans ces 183 recommandations, c'est un plan de travail, je le disais, pour le gouvernement. Il y a des mesures qui ont été pensées vraiment à court terme, avec des choses qui pourront être faites dès cette législature. Et puis, il y a des perspectives qui sont
données tracées, notamment sur la question des aînés, par exemple, où nous demandons au gouvernement de travailler à une vision beaucoup plus large du vieillissement, de l'accueil des personnes aînées, du rôle central des choix de la personne dans ces tragédies. Je conclurai, parce que je pense que j'ai pas limité, mais en disant que ce travail a été fait de la manière la plus constructive possible, et je voulais le souligner en tant que rapportrice, avec l'ensemble des groupes, qu'un gros travail a été fait à la dernière commission sur les amendements. Une trentaine d'amendements ont été votés, intégrés dans le texte, ce qui nous semble être, enfin, pouvoir vous proposer aujourd'hui un texte qui réunit le plus largement possible la perception et les propositions de chaque groupe politique. Nous nous félicitons également que ce texte n'ait été rejeté par aucun groupe et ait été voté avec une seule abstention et l'ensemble des groupes ont voté ce texte. Ça a été vraiment un travail de collaboration et de respect mutuel avec un seul objectif qui est de renforcer notre région, la région bruxelloise, pour mieux résister aux crises. Donc voilà un peu l'état d'esprit dans lequel on a travaillé pour faire ce rapport. Impossible aujourd'hui de revenir sur l'ensemble des propositions, il y en a beaucoup trop, mais vous voyez un peu, de toute manière, vous avez le texte, l'état d'esprit dans lequel on a travaillé et on est extrêmement heureux aujourd'hui de pouvoir soumettre ce texte au vote de la plénière en espérant le plus large assentiment possible. Merci beaucoup, Madame Chabert, pour ce rapport. Tour d'Issan, Menir Benjoumea, rapporteur. Menir Benjoumea, u hebt het woord. Bedankt. Meneer de voorzitter, vooraleer dat ik inga op de inhoud van de aanbevelingen, waar ik het ook graag even hebben over de vorm, over hoe dat we tot deze aanbevelingen zijn gekomen als rapporteurs, maar ook vooral als commissie, als parlement. Zoals jullie goed weten zijn er meer dan 40 mensen komen getuigen over de rusthuizen, over de ziekenhuizen, over de economie, over het veiligheidsbeleid, over ethische aspecten. Het is zeer breed gegaan en het waren telkens heel beklijvende getuigenissen die zowel ons hoofd als ons hart hebben aangesproken en ons ook wel een aantal keer sprakeloos hebben gekregen en de tijd hebben gegeven om die te verwerken. Ik wil die mensen ook bedanken, omdat ze tijdens de crisis een heel goed werk hebben geleverd, heldenwerk, maar ook met zeer concrete aanbevelingen voor de toekomst zijn gekomen en daar draait het om. En die dankbaarheid willen we ook met deze aanbevelingen nu ook in daden omzetten, zien dat hetgeen er kwam van die hoorzittingen ook duidelijk aan bod kan komen in de aanbevelingen, zodat het gewest voor een volgende crisis beter klaar zal zijn. Er is ook een lang verslag waar we niet op zullen ingaan, van meer dan 1000 pagina's, waarin alle vaststellingen en ervaringen aan bod komen. We daar geen politieke filter, geen samenvatting van willen maken, om ook wel recht te krijgen, recht te doen aan die variëteit, aan al die uitdrukkingen die er geweest zijn tijdens de hoorzittingen. Het is ook zeer goed samengewerkt met alle fracties. En zoals collega Chabert het aangaf, is er veel geamendeerd, in heel veel versies gewerkt. En ik wil die ook nadrukkelijk bedanken voor die openheid en voor die goede collectieve intelligentie die zich tijdens de hoorzitting heeft ontwikkeld. En daarna bij de redactie van het verslag. Ik zal gewoon een aantal hoofdlijnen bespreken. Ik vermoed dat de collega's van de verschillende fracties ook op een aantal zullen ingaan. Voor mij is de grootste les dat we tijdens deze crisis vooral heel veel brandjes hebben moeten blussen, of zelfs heel grote branden. En het is altijd beter om aan preventie te werken, om te zorgen dat het brand niet uitslaat, om te zorgen dat de brand niet komt, om te zorgen dat je klaar bent om te blussen en niet achter de feiten moet aanlopen. En dan zie je, en dat zie je ook doorheen de aanbevelingen, doorheen de verschillende vier luiken, dat we in geval van een gezondheidscrisis veel meer kunnen doen door meer te voorzien in opleidingen, door meer te voorzien in personeel die klaarstaat, door een reserve van personeel klaar te hebben als de nood hoog is, als mensen ziek vallen of als gewoon het werk niet gedaan gekregen wordt door de normale capaciteit van die dienst. Ik denk aan de rusthuizen die overrompeld worden, maar nu ook aan de vaccinatiecentra, waar we ook merken dat er nood is aan personeel, nood is aan een goed informaticasysteem. Dat zijn allemaal lessen die we kunnen trekken, best op dat moment klaar, op voorhand klaar te zijn, dan op dat moment te moeten improviseren. We merken ook dat in tijden van een crisis, en dat komt heel vaak aan bod terug, dat het eenheid van commando heel hard nodig is, dat het duidelijk is wie communiceert, wie beslist, wie overlegt,
dat er geen wildgroei is aan allerlei werkgroepen en adviesraden, dat er geen wildgroei is aan verschillende communicatie die elkaar tegenspreekt. Kortom, om ook in die brandweermetaforen weer te gaan, een brandweercommandant die heel snel orders kan geven en die aan zijn of haar zijde ook brandweerlui heeft met kennis van zaken, mensen op het terrein die klaarstaan om die beslissingen uit te voeren. Er was ook een grote bezorgdheid en dat is de kwetsbare groepen. Iedereen die tijdens de crisis kwetsbaarder werd, ook al was hij bijvoorbeeld al kwetsbaar, en ik denk aan mensen die in de informele economie zitten, mensen zonder papieren, maar ook aan alleenstaande ouders, aan vrouwen, waar we gezien hebben dat hun situatie al precair was voor de crisis, maar tijdens de crisis nog precairder werd. Maar ook aan sectoren die normaal gezien niet hoeven te vrezen voor zo'n grote klappen, maar tijdens de crisis plots moesten sluiten en zich zonder enig inkomen bevonden. Ik denk bijvoorbeeld aan de horeca, maar evengoed aan studenten die in een ongeziene laagte qua mentaal welzijn terechtkwamen. En dan is het ook zaak, en we hebben ook een aantal heel concrete aanbevelingen gedaan, om heel snel klaar te staan met een brandladder, om die mensen eruit te halen, om die mensen veilig te stellen. Dat wil zeggen, een capaciteit om heel snel premies te bedenken, premies uit te betalen, maar even goed ook om de steun, los van het economische, ook klaar te houden. Dat er genoeg mentale gezondheidshulp is in tijden van crisis en buiten tijden van crisis, zodat de mensen weerbaar zijn tegen zo'n crisis, maar dat er ook in die communicatie, in de manier waarop beslissingen worden bedacht, dat er ook die evenwicht heel goed voor ogen wordt gehouden. En dat is ook het vierde, laatste luik, die dat heel goed voor ogen houdt. Zorg voor een impact-test voor de meest kwetsbaren. Zorg voor een heel concrete communicatie. Zorg voor een proportioneel evenwicht tussen de beperkingen en de bestrijding van het virus, zodat de mensen de maatregelen kunnen volgen en zodat ze ook niet in een brand, in een coronacrisis, heel hard in gevaar komen. Voilà, dat was in een notendop, meneer de voorzitter, de samenvatting van het hele verslag. Dank u, meneer Benjoumea, voor uw tussenkomst. Alors, chers collègues, je vais à présent céder la parole aux différents groupes politiques qui souhaitent intervenir. Je propose qu'on le fasse dans l'ordre habituel. Et je propose donc de commencer par le groupe MR. Et donc, pour rappel, le temps de parole global est de 5 minutes par groupe politique. Je le rappelle encore, vous n'êtes évidemment pas obligé d'épuiser vos 5 minutes. Si vous faites moins, je n'y verrai aucun inconvénient. Mais voilà, vous avez en tout cas 5 minutes maximum. Je cède immédiatement la parole à notre collègue, Madame Alexia Bertrand. Merci, Monsieur le Président. Voilà, tout d'abord, permettez-moi de remercier tous les acteurs, tous les intervenants, tous ceux qui ont contribué à permettre cette commission spéciale Covid, que ce soit nos deux rapporteurs, que ce soit vous, Monsieur le Président, comme président de cette commission, que ce soit les intervenants qui sont venus nous parler et nous ont donné de leur temps, que ce soit les services qui ont réussi dans des temps records parfois à nous fournir des rapports et leurs contributions. Merci pour tout cela. Notre groupe a participé activement à cette commission. Nous avons aussi soumis un ensemble de recommandations dont plusieurs se retrouvent d'ailleurs dans le rapport final et nous en sommes heureux. Je vais peut-être reprendre dans les différents volets les recommandations qui nous tenaient particulièrement à cœur. Il y en a évidemment beaucoup plus, mais ce sont quelques-unes qui étaient importantes pour nous. Dans le volet coordination, sécurité, pouvoirs locaux, il était essentiel pour nous de clarifier la répartition des compétences et des rôles. C'est cette fameuse unité de commandement. Il est essentiel de savoir qui fait quoi, que ce soit entre le ministre-président, la haut fonctionnaire, BPS, que ce soit entre Irisker, la COCOM ou le gouvernement régional. Dans les différents volets, on doit retrouver cette clarification de compétences. Vous savez que notre groupe, et par la voix de Vincent De Wolf, a mis aussi un point d'honneur à ce que les bourgmestres et les autorités locales soient davantage impliqués, à ce qu'il y ait une transmission des données aux bourgmestres pour le suivi de la quarantaine et un contrôle de celle-ci. Nous avons pu trouver une recommandation en ce sens et nous en sommes heureux. Nous avons aussi trouvé des compromis sur différents volets, que ce soit les expulsions domiciliaires où nous
étions abstenus sur les arrêtés de pouvoirs spéciaux parce que nous estimions qu'il fallait mettre en place une guidance budgétaire et que cela ne sert à rien de proclamer un moratoire si on ne soutient pas tant les locataires que les propriétaires par ailleurs. Et ici, on a trouvé une solution avec l'activation du fonds de prise en charge des arriérés de loyer. Idem pour la suspension des délais de rigueur, où l'idée était de ne l'activer qu'en cas de dernier recours parce que ça crée des problèmes de délivrance des permis et de retard. L'idée étant quand même d'accélérer la numérisation tout en tenant compte de cette fracture numérique. Et à nouveau, nous avons pu trouver un accord là-dessus. Dans le volet santé, nous sommes très heureux de retrouver le contrat de gestion d'Iris Care, qui est quelque chose qui date de bien avant la crise et qui doit être mis en place. La mise en place d'un stock stratégique, qui est quelque chose qui avait été oublié au moment de la 6e réforme de l'État et du transfert de compétences, mais c'est bel et bien la région qui doit le constituer pour les compétences qui sont les siennes et donc en particulier pour les maisons de repos. Nous avons insisté aussi pour retrouver l'inscription du syndrome de glissement dans les maisons de repos, la nécessité de veiller au maintien d'un suivi psychologique et psychique régulier par des activités d'animation et d'ergothérapie et le fait que les médecins traitants aient à tout moment accès aux maisons de repos et ne soient pas privés de l'accès aux patients. Nous avons insisté aussi sur les moyens de communication modernes, avoir des tablettes pour continuer à dialoguer avec les familles et disposer de cadastres actualisés de personnel, ce qui a fait cruellement défaut au moment de la crise et qui pose d'ailleurs encore aujourd'hui des problèmes en termes de stratégie de vaccination. C'était un problème structurel préexistant. Dans le volet économique, et ça ne vous surprendra pas, nous avons insisté essentiellement sur le fait qu'il faut moins de disparités dans les primes entre régions. Bruxelles a des primes qui sont largement inférieures aux autres régions et qui sont parfois venues plus tardivement. Nous avons pu trouver une disposition pour reconnaître l'importance d'avoir une disparité moins importante dans ces primes. C'est véritablement quelque chose sur lequel nous avons insisté à plusieurs reprises et nous sommes reconnaissants d'avoir pu trouver un accord à cet égard. Je soulignerai sur le volet transversal tout notre soutien pour les mesures, pour le fait que les mesures de restriction individuelle, de liberté individuelle doivent respecter la légalité, la légitimité, la proportionnalité et pour le contrôle démocratique accru sur les mesures de restriction de liberté. Nous aurons l'occasion d'en débattre cet après-midi déjà sur le couvre-feu. Indépendamment du fond de la mesure, il est essentiel que le Parlement puisse avoir une explication, une justification de ces mesures et nous y veillerons. Dès lors, nous soutiendrons ces recommandations, mais nous avons néanmoins un regret et pour cette raison, un député de notre groupe s'abstiendra pour les raisons que je vais vous exposer maintenant. D'abord, nous regrettons que le mot leadership n'apparaisse pas. Et c'est d'autant plus regrettable qu'au niveau fédéral, et c'est presque une provocation de notre collègue Juan Benrumea, qui est toujours pourtant si modéré, si sympathique, qui, tout à fait, et qui a envoyé sur les réseaux sociaux, en grande pompe, ce rapport du fédéral, qui aborde de front cette question du leadership et qui ne l'a pas escamoté. Et c'est regrettable que malgré le fait que tous les experts, tous les acteurs de terrain ici sont venus l'évoquer, il n'y a pas un seul passage où l'on retrouve ce mot de leadership dans le rapport de la région bruxelloise. Et donc, je le regrette, certains n'ont pas eu peur d'aborder le sujet. Par ailleurs, ce ne sont que des recommandations au gouvernement, nous ne savons pas comment elles seront mises en vigueur, et donc nous suivrons ça attentivement. Okay. Enfin, notre approbation ne valide pas pour autant la gestion de la crise qui a eu lieu à Bruxelles. Et pour cette raison, et essentiellement la question du leadership qui est apparue par après encore de manière flagrante et criante au fédéral, un député de notre groupe, et ce ne sera pas moi, s'abstiendra. Il pourra encore l'expliquer au moment du vote. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Madame Bertrand. Nous avons fait grâce tour d'amener Gilles Verstraten voor de NVA fractie. U hebt het woord, meneer Verstraten. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ook van mijn entwege zou ik uiteraard al de mensen die zich de tijd hebben getroost in moeilijke omstandigheden om hier getuigenissen te komen afleggen, soms pakkende getuigenissen, soms harde getuigenissen, ongemakkelijke getuigenissen, om het debat te voederen en ons de voldoende stof tot nadenken te geven
om dit rapport op te stellen. Ik zou ook graag uiteraard de diensten willen bedanken voor hun uitstekend werk. Die hebben soms heel snel moeten werken om een massa aan informatie te verwerken. Maar wat het rapport opstellen betreft, wil ik in het bijzonder de twee verslaggevers en de voorzitter van onze commissie, tevens voorzitter van ons president, bedanken voor de gevolgde methode. Ik denk dat we met deze tekst hebben kunnen bewijzen dat dit parlement, als het over belangrijke zaken gaat, over grenzen van oppositie en meerderheid kan samenwerken en tot een visie komen, tot een document komen met aanbevelingen, met stappen vooruit voor ons gewest. En er zitten er een aantal in die voor mij zeer belangrijk zijn. Een van de belangrijkste is natuurlijk die eenheid van commando, het is al aangehaald. Die eenheid van commando, eenheid van maatregelen, duidelijkheid, overal hetzelfde voor de Brusselaars. En geen totale verbrokkeling of chaos zoals we het op bepaalde momenten in deze crisis hebben gezien. Met één beslissingsorgaan waar al de relevante actoren samenkomen om tot een consensus te komen en dat men die dan in consensus uitvoert en daar overal hetzelfde over communiceert, dat lijkt mij bijzonder essentieel. Er staan ook een aantal andere punten in die voor ons belangrijk zijn. Ook wat IRIS-CARE betreft, een betere bevoegdheidsverdeling tussen IRIS-CARE en de diensten van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie. Met aandacht voor de democratische controle van dit parlement op de GGC is voor ons essentieel. Dat is een suggestie die wij hebben gedaan, die integraal is overgenomen. En ik zou er zo nog een aantal kunnen opsommen. Aandacht, extra aandacht voor mentale gezondheid, om maar iets te zeggen. Maar ik wil eigenlijk een beetje profiteren van het feit dat de regeringsleden hier vandaag aanwezig zijn, om niet opnieuw gewoon de evaluatie te doen van heel het verslag. We hebben dat al op verschillende plaatsen gedaan. We hebben daar al lange discussies over gehad. We hebben er al een persconferentie over gegeven. Over wat we belangrijk vonden, wat er goed aan was, et cetera. Maar ik zou jullie toch willen zeggen, lees het rapport goed. Bekijk het goed. Neem het mee, ook nu nog. De crisis is nog niet voorbij. En er staan heel veel zaken in de aanbevelingen die gestemd zullen worden, die ook vandaag relevant zijn. Over dat eenheid van commando, over die eenheid van communicatie, over transparantie, over duidelijkheid naar de burger toe. En als je dan kijkt naar de vaccinatiecampagne, en wat we gezien hebben de afgelopen twee weken, dan stel ik vast dat een aantal lessen die in dit verslag staan, toch nog door deze regering geleerd zullen moeten worden. En hopelijk snel. Als het gaat over eenheid van communicatie en transparantie bijvoorbeeld. Er is op een gegeven moment schijnbaar wat chaos ontstaan in de vaccinatiestrategie in Brussel. Er begonnen links en rechts in de media allerlei berichten te verschijnen over mensen die niet opdaagden in de vaccinatiecentra, over wachtrijen, over vaccins die niet gebruikt werden, over allerlei problemen in die vaccinatiestrategie. Grote afwezigen in twee weken informatie in de pers over alles wat dat fout aan het lopen was met de vaccinatiestrategie, de regering. Meneer Baron, meneer Vervoort. Komt dan op een bepaald moment meneer Vervoort op La Première en komt er eigenlijk geen enkele duidelijkheid over waar het nu juist begint te stokken in de vaccinatiecampagne, maar een aantal vage verklaringen en geen voorstellen van oplossingen. Ik denk dat dat niet goed is ten aanzien van de burger, dat je niet kan toegeven, qu'on peut pas assumer, op een bepaald moment, ja, hier zitten de fouten, heel concreet, en dit is wat wij doen om oplossingen te voorzien. Maar niet alleen dat, ook dan op een bepaald moment een minister van Gezondheid die niet alleen niet kan uitleggen waar het probleem met de vaccinatie ligt en een maand lang geen verantwoording komt afleggen aan het parlement over die problemen en waar de oplossingen liggen, maar die dan ook nog eens een voorstelletje lanceert in de pers, een ballonnetje oplaat over hoe de volledige vaccinatiestrategie in feite omgegooid moet worden en op een andere leest geschoeid moet worden, zonder overleg met de andere gezondheidsministers van het land, zonder dat daar afspraken over gemaakt worden, waardoor dat er opnieuw chaotische communicatie over de vaccinatiecampagne ontstaat en het vertrouwen van de burgers verder ondermijnd wordt. Dus, ik concludeer hierop, geachte regeringsleden, lees het verslag. Lees het aandachtig, want u mag er aan verwachten dat mijn partij als oppositiepartij
wij u zeer binnenkort over al de conclusies en aanbevelingen in het verslag gaan beginnen ondervragen en aan u gaan vragen of u die meeneemt en wat u ermee doet. Om een allerlaatste woordje te zeggen, één van mijn fractieleden zal zich ook onthouden, maar de redenen waarom zullen toegelicht worden bij een stemverklaring. Dank u, meneer Verstraeten. Je cède à présent la parole à madame Chabert pour le groupe socialiste. Oui, merci, monsieur le président. Je voudrais commencer par remercier l'ensemble des intervenants, des personnes qu'on a auditionnées. C'était vraiment remarquable le temps qu'ils nous ont consacré, ainsi que les services qui ont accompli un travail considérable. Je voudrais aussi vous remercier, vous, monsieur le président, pour la qualité de la direction, de la présidence de cette commission, qui n'était pas une commission simple, qui a été une commission compliquée par sa durée, par l'intensité, par l'émotion et par l'implication de chacun des groupes. Et vous nous avez permis à chacun de pouvoir travailler dans le respect les uns des autres, ce qui nous a permis d'aboutir à ce rapport partagé. Et donc, je tenais vraiment à le signaler aujourd'hui, à vous remercier, monsieur le président, pour cette présidence qui a été remarquable de bout en bout. Alors, concernant la position du Parti socialiste par rapport à ce rapport, je voudrais insister, et c'est dans ce sens-là que nous allons accompagner le gouvernement dans l'exécution de ces recommandations, c'est qu'il nous semble qu'aujourd'hui, l'urgence est à la justice sociale, et que donc, dans l'ensemble des recommandations qui vont devoir être exécutées, nous privilégierons celles qui contribuent à aller vers davantage de justice sociale. La crise qui est devant nous, dans laquelle on est, mais qui est vraiment devant nous, est une crise sociale, une crise socio-économique. Et il nous semble extrêmement important que le gouvernement travaille en priorité sur ces volets-là. Et donc, certaines des recommandations, nous y serons particulièrement attentifs, celles qui concernent la question du monitoring social. Comment vivent les populations les plus impactées par le virus d'un point de vue socio-économique, sanitaire, etc. Les questions du genre, puisqu'on a vu que les femmes étaient les plus touchées par cette crise, autant par la maladie que par les mesures qui ont impacté directement leur vie. Nous travaillerons en priorité à ce qu'il y ait une continuité de service à toute crise qui pourra toucher notre région, continuité de service public, accès au CPS, aux banques alimentaires, aux services de santé mentale, etc., en tout cas aux premiers services dont ont besoin les Bruxellois et les Bruxelloises. Nous insisterons aussi sur la question locale, tout le soutien aux pouvoirs locaux, toutes les mesures qui peuvent être prises en proximité avec les Bruxellois et les Bruxelloises. Et puis, évidemment, nous insisterons sur tout le volet prévention, que ce soit prévention sanitaire, prévention sociale, tout ce qui relève de la promotion de la santé communautaire et du soutien, surtout du soutien aux acteurs de terrain, aux acteurs de première ligne, aux associations, aux travailleurs des services publics qui sont en direct dans la réponse aux besoins de la population et que nous devrons accompagner dans les impacts, dans les conséquences socio-économiques de cette crise, mais aussi dans la prévention prochaine. Voilà, je vous remercie. Merci, madame Chabert. Is nu de beurt aan Groen-fractie. Meneer Benjumia misschien, of ik weet niet, wie zal... Ik zal het doen, meneer de voorzitter. Maar zeer kort, aangezien dat ik al uitgebreid aan het woord was als rapporteur. Gewoon twee punten die niet in het rapport figureren, maar die voor de Groen-fractie zeer belangrijk zijn en ook meegenomen moeten worden in de volgende werkzaamheden van ons parlement. Eén, dat is een institutionele kwestie. In dit verslag gaat er uitgegaan van de huidige verdeling van bevoegdheden, zowel wat betreft de samenwerking tussen gemeenten en gewest, en OCMW's en gewest, maar ook wat betreft tussen de gewesten onderling en met federaal. We vinden dat er tijd is voor een reflectie, en mijn collega Adelphine Chabert heeft het heel goed gezegd, het was een stresstest voor onze instellingen, een reflectie of die systemen goed werken en hoe dat we ze beter krijgen. Of de bevoegdheden in ons gewest helder zijn, de verdeling van bevoegdheden tussen de burgemeesters en de minister-president, de verdeling van bevoegdheden wat betreft economische steun. We hebben ons zeer veel vragen gesteld tijdens de commissies over het verschil in behandeling dat er kon zijn tussen gemeenten onderling als de maatregelen verschillend waren, zowel wat betreft de economie
als de beperkende maatregelen en ook wat betreft de sociale steun die OCMW's bieden. Dus voor ons is dat een reflectie die niet gebeurd is in dit verslag. Er zijn een aantal vaststellingen gebeurd, maar die in de toekomst wel zal gebeuren. En ik wil alvast ook de voorzitter bedanken die zich engageerde om deze discussie verder te zetten. Een tweede vraag die niet figureert in het verslag, maar waar ik ook wel kort op wil ingaan, dat is de nodige relance, de nodige redeploiement, de nodige herontwikkeling van ons gewest na deze crisis. Die heeft ons enorm getroffen, zoals de economie, als de mensen, als onze gezondheidsinstellingen. En we vinden dat niet bij het oude mag blijven, geen gewone relance, we drukken opnieuw op het startknopje die op pauze lag, maar dat er een grondige reflectie moet zijn over hoe dat we nieuwe solidariteit organiseren, hoe dat we ons gewest in een moderne periode krijgen met een nieuwe vibe, met een nieuwe drijfkracht en hoe dat wij ervoor zorgen dat een volgende crisis die in zekere mate ook te maken heeft met onze manier waarop we in de wereld zitten, dat we misschien niet genoeg preventief zijn voor de virussen die overgedragen worden door dieren, hoe dat we dat goed kunnen voorkomen en hoe dat ons gewest zijn steentje kan bijleggen hiervoor. Dus dat zijn twee zaken die niet in het rapport figureren, maar wel uit de commissie komen en die ik graag wil aanhalen voor het toekomstig werk van ons parlement. Dank u, meneer Benjoumia. Je cède à présent la parole à madame De Smet pour le groupe PTB. Merci, monsieur le président. Et donc, oui, on va encore une fois, bien sûr, remercier tous les intervenants qui sont venus lors des auditions pendant ces quatre mois. Et évidemment, une pensée toute particulière aussi à toutes les travailleuses et travailleurs sur le terrain qui continuent tous les jours à être au front, que ce soit dans les hôpitaux, les maisons de repos, mais aussi dans tous les services sociaux. Les gens ont toujours été là, présents, pour venir en aide autour d'eux et ils continuent et ils sont aussi très fatigués. Donc vraiment une pensée particulière à eux et un regret aussi qu'on n'ait pas pu les entendre directement lors des auditions aussi pendant la commission spéciale. Alors on l'a déjà dit, pour nous on n'est pas allé jusqu'au bout avec cette commission spéciale. Donc monsieur le ministre Marron et monsieur Rudy Vervoort l'ont dit, lors des auditions il y a des erreurs qui ont été commises, mais sans jamais préciser exactement lesquelles ni par qui elles ont été commises. Et donc dans ce sens-là, on n'est pas d'accord avec monsieur Marron quand il dit qu'il faut dépolitiser le débat sur les recommandations. Donc on a mis des sanctions et des amendes aux gens pour qu'ils respectent les mesures sanitaires, mais on n'a pas vu d'amendes ou de sanctions qui ont été mises sur le gouvernement. Or, pour nous, ça fait partie des conclusions à prendre pour l'avenir. Alors il reste aussi, on l'a déjà dit aussi, des questions non résolues, donc sur les refus d'hospitalisation de certains résidents. On a quand même eu beaucoup de témoignages dans ce sens, mais on n'a pas de réponse sur des responsabilités de non-action, par exemple, pour éviter ce genre de situation. Et selon nous, les recommandations ne sont pas encore assez précises non plus pour éviter ces situations. Alors on n'a pas vraiment de réponse non plus sur le manque d'anticipation de la deuxième vague, pourquoi on n'a pas répondu plus vite aux alertes des hôpitaux, pourquoi avoir sous-estimé la situation dans les courants du mois d'août et septembre, pourquoi n'avoir pas mieux planifié le testing à l'avance, pourquoi n'avoir pas impliqué la première ligne dans le testing. On sait que les pays qui ont impliqué beaucoup plus leur première ligne ont de meilleurs résultats dans la gestion de la pandémie. Et le fait, par exemple, que la première ligne ne soit toujours pas impliquée, par exemple, dans la stratégie de vaccination, nous fait penser que, effectivement, les leçons n'ont pas été tirées jusqu'au bout. L'implication de la première ligne, c'est un point essentiel dans la gestion de la pandémie. Alors on voit aussi toujours un manque d'urgence dans l'engagement de personnel supplémentaire, notamment dans les maisons de repos. Donc Médecins sans frontières disait, voilà, maintenant on a le matériel. Mais au niveau du personnel, il manque des gens, ils sont fatigués. Et il y avait des inquiétudes si le virus revenait de nouveau ou une autre situation d'épidémie pouvait survenir. Alors pourquoi est-ce qu'on n'écoute pas les travailleurs là maintenant qui demandent plus d'engagement? C'est aussi un secteur qui est majoritairement féminin. Et donc, à la veille du 8 mars, on veut quand même rappeler aussi que ce secteur a besoin urgemment de revalorisation salariale. C'est ça aussi, et certainement, qui diminue les inégalités entre les hommes et les femmes dans notre société. C'est un volet important pour résoudre ces questions. Donc, on ne comprend pas pourquoi on ne va pas plus vite sur ça aussi.
Et enfin, on a évidemment la nécessité pour nous de refédéraliser la santé dans notre pays. Donc on a beaucoup parlé d'unité de commandement, mais si on reste avec toute une lasagne compliquée à gérer, la coordination de tout ça ne va pas suffire. Et donc il y a une phrase quand même qu'on a entendue et qui a été répétée et répétée pendant ces auditions, c'est « tout le monde est compétent, mais personne n'est responsable ». On a vu quand même la balle qui a été renvoyée constamment d'un niveau à l'autre. Et on voit que ça recommence aussi dans la question de la gestion de la vaccination. Et donc pour nous, c'est un élément quand même essentiel. Et ce n'est pas juste une question de coordination, mais on veut vraiment avoir le débat sur la refédéralisation des soins de santé. Et ça, ça manque aussi dans les recommandations. Et donc, comme on l'a déjà fait lors des commissions, on va s'abstenir tout à l'heure lors du vote. Je vous remercie. Merci, Madame de Smet. Alors, je cède à présent la parole au groupe Écolo. Et c'est d'abord Madame Plovy et ensuite Monsieur Mossine, je pense, qui vont intervenir. Et donc, vous partagez le temps de parole de 5 minutes à 2. Vous avez la parole, Madame Plovy. Merci, Monsieur le Président. Alors, il y a bientôt un an, à une semaine près, la Belgique et une grande partie du monde basculaient dans le confinement. Aux prises avec une maladie que l'on savait encore à peine nommer, les gouvernements ont improvisé en toute hâte une stratégie, la seule dont nous disposions à l'époque pour freiner un virus encore largement inconnu. Du jour au lendemain, nos écoles se sont fermées, nos cafés se sont vidés, nos théâtres se sont tus, mais surtout, nous n'avons plus vu nos familles, nos amis, nos voisins. Nous avions perdu le souvenir des grandes épidémies d'antan. Celle-ci est venue brutalement nous rappeler notre fragilité, tant individuelle que collective, celle de notre système de santé, trop longtemps malmenée, trop longtemps sous-financée. Elle a aussi mis en exergue nos nombreuses injustices et inégalités sociales. Elle nous a forcés à regarder de plus près le sort des plus vulnérables et trouver des solutions pour mieux les protéger. Les recommandations que nous votons aujourd'hui sont le fruit d'un intense travail collectif et je tiens à saluer l'ensemble des collègues pour ces efforts et l'esprit constructif qui les a guidés. Ces dernières semaines, au sein de la commission spéciale, nous nous sommes avant tout attachés à écouter pour comprendre et surtout pour préparer l'avenir. Comment mieux anticiper de nouvelles crises sanitaires? Comment protéger les personnes les plus vulnérables? Comment limiter l'impact économique de cette crise? Comment améliorer le fonctionnement de nos institutions démocratiques? Mes chers collègues, comment aborder une crise de ce type collectivement alors que notre société est intrinsèquement individualiste? Alors que cette dernière décennie a été marquée par une responsabilisation individuelle de la pauvreté, des chômeurs, des personnes qui émergent de CPS, effaçant toute responsabilité collective qui était pourtant à la base de notre société d'après-guerre en investissant dans la solidarité. Alors aussi que dans cette pandémie même, certains passent plus de temps à pointer les responsabilités de certains groupes ou de certaines personnes plutôt que les responsabilités sociétales. Dans quel état allons-nous retrouver notre société? Évidemment, je pense à la santé mentale de la population, mais je pense aussi aux conséquences sur la confiance des citoyens et des citoyennes envers les décideurs et décideuses politiques, envers les experts, envers la police, mais aussi les uns envers les autres, rappelant les délations, par exemple, entre voisins, que j'espérais ne jamais vivre, car pour moi, est un symbole d'une époque des plus sombres de notre histoire. Alors oui, les recommandations que nous allons voter demandent un grand travail de la part du gouvernement et que nous allons suivre ici aussi au niveau du Parlement. Mais les réflexions que je viens de vous partager doivent aussi être menées ici, au Parlement, lieu par excellence de notre démocratie représentative. Mais elles devront l'être aussi et avant tout avec la population, car nous ne pourrons faire face aux crises qui nous pendonnaient qu'avec la population, qu'en lui faisant confiance, qu'en renforçant notre démocratie, tant représentative que participative, qu'en renforçant nos droits humains. Je vous remercie. Merci Madame Plovy. Monsieur Mossine, vous avez la parole, il reste 2 minutes. Je vous remercie, Monsieur le Président, et je vous remercie doublement. Je remercie également, effectivement, les rapporteurs et puis tous les médias qui ont relayé nos débats, et en particulier BX1 qui a mis énormément de moyens pour que tous les Bruxellois et Bruxelloises entendent nos débats. Alors, je ne vais pas revenir sur les différents points. Je dirais que simplement, pour moi, les points importants étaient l'unité de décision, l'amélioration de la communication, la planification d'urgence, ce sont des points importants, mais aussi la transparence des décisions par la transmission des rapports sur lesquels s'appuient les politiques pour prendre une décision. Je pense que ce sont des choses qui permettent une adhésion des citoyens. Nous n'avons pas voulu répondre par des slogans
tous responsables, pas de coupables, tous responsables, tous coupables, ce n'est pas la meilleure manière de faire. Nous avons préféré mettre sur pied 183 propositions. Certains en tireront des conclusions qu'il n'y a pas eu de leadership. Je le pense, effectivement, il n'y a pas eu de leadership au fédéral. Eh bien, je ne m'abstiendrai pas pour cette raison, parce que je pense que ces 183 propositions changeront les choses. Et je dirais simplement à ceux qui peuvent se poser la question, qu'est-ce qui sera fait avec ces recommandations? Eh bien, je peux vous garantir que nous ferons un suivi. Nous demanderons au gouvernement et au président du Parlement de faire des réunions, je ne sais pas moi, dans 6 mois, où nous nous retrouverons et où nous analyserons les 180 points pour voir est-ce que ça a avancé. Et donc voilà, il y a des rendez-vous qu'on se fixe dans le futur. Je ne sais pas encore comment exactement nous organiserons ça, mais nous le ferons comme nous l'avons fait par rapport aux auditions, par rapport à nos recommandations, en toute transparence. Et je vous remercie encore. Merci, Monsieur Moussine. Je cède à présent Nurifi Graktwoord aan mevrouw Khadija Zamouri voor de Open VLD-fractie. U hebt het woord, mevrouw Zamouri. Dank u wel, meneer de voorzitter. Dank u wel. Eerst en vooral wil ik u als voorzitter, meneer Madran, bedanken voor de professionele aanpak, werkelijk. En de objectiviteit die u aan de dag heeft aangelegd. Ik wil heel erg alle organisatie, de verenigingen en de instituten bedanken voor hun oprechte bijdrage tijdens de hoorzittingen, die soms hard en dikwijls hartverscheurend zijn geweest. Dus dat is zeker en vast. Nu, een evaluatie van onze aanpak van het voorbije jaar was dus voor de hand liggend. En vorig jaar heeft de Brusselse regering dan ook heel snel ingegrepen om economische en sociale steunmaatregelen te nemen voor de getroffen sectoren, door onder andere premies voor zelfstandigen, leningen tegen lage rentevoeten of een moratorium op de terugbetaling van kapitaal van leningen en ook in een later stadium dan de handelshuurovereenkomst en proxyleningen. Nu, dat allemaal werd al gedaan en de crisis heeft en zal helaas nog steeds een impact hebben op onze economie. Nu, de financiële gevolgen zijn voor heel veel mensen ook niet te overzien. Nu, daarom stellen we ook hier gerichte en nodige economische aanbevelingen. Ik probeer om de collega's niet te herhalen en een aantal zaken naar boven te halen die voor ons ook belangrijk zijn. Nu, die economische aanbevelingen die ook voortbouwen op reeds genomen steunmaatregelen om zo het Brussels economisch en sociaal weefsel te versterken. Nu, het versterken van de lokale en kleinschalige economie is heel duidelijk gebleken dat dat een kernpunt is. En we hebben dit gemerkt tijdens deze coronacrisis. En het creëert ook een meerwaarde. En het bouwt eigenlijk ook een beetje verder op de Small Business Act van voormalig minister Gozouan. En die stimuleert creativiteit, innovatie en ondernemerschap in ons gewest. En we hebben gemerkt dat dat echt nodig is, want heel veel kleine zelfstandigen zijn er onderuit gegaan en bestaan niet meer of hebben niet de flexibiliteit kunnen aan de hand leggen om verder te kunnen. Nu, het is voor ons belangrijk om in tijden van sluiting de steunmaatregelen te blijven volhouden voor huurprijzen, handelshuurovereenkomsten, voor dan die kleine zelfstandigen, die kleine proxyleningen enzovoort. Nu, tijdens deze crisis is ook één element heel erg en snel naar voren gekomen en dat is de digitalisering. Die is nog nooit zo hard nodig geweest. En het heeft ook groepen geraakt. We zagen dat het essentieel is om in te spelen op de nieuwe noden van bedrijven. Inzetten op e-commerce en de digitale tools ook geven aan die kleine zelfstandigen om te kunnen blijven voortbestaan, om flexibel en innovatief te kunnen blijven. Maar jammer genoeg zijn het niet alleen de zelfstandigen, maar ook de werkzoekenden. We hebben gezien dat er een ongelooflijke digitale kloof is. De opvallende cijfers van Actinis hebben aangetoond dat werkzoekenden uit Schaarbeek of Sint-Jans-Molenbeek een ongelooflijke daling hebben gekend van een aanmelding dat ze werk zoeken, gewoon omdat de toegang tot de digitale technologie niet gegarandeerd is. En daar moeten we toch voor zorgen dat het gegarandeerd blijft. En een laatste punt, meneer de voorzitter, willen wij als fractie toch wel één duidelijk aanspreekpunt naar voren schuiven. Het is, en de collega's hebben er ook over gesproken, het SPOK of het
centraal punt of loket dat zou moeten instaan voor de algemene coördinatie van het crisisbeheer. We hebben gehoord van de verschillende sprekers die zijn gekomen dat de informatie langs alle kanten kwam en dat mogen we niet meer laten gebeuren. Er moet eigenlijk één punt zijn die duidelijke informatie verschaft, die dispatcht van en naar de bevoegde autoriteiten en het opstellen van samenwerkingsverbanden tussen de Brusselse regering en de organisaties onderling. Nu, deze aanbeveling staat er ook in, die vloeit duidelijk voort uit alle hoorzittingen die we hebben gehad. Elke hoorzitting is dit punt naar boven gekomen. Voilà, dus een duidelijke communicatie, collega's, meneer de voorzitter, is eigenlijk het allerbelangrijkste punt dat we uit deze lessen hebben getrokken. Ik heb me natuurlijk een beetje geënt op het economisch aspect, om niet te herhalen wat de vorige collega's ook zeer duidelijk hebben aangegeven. En wij hopen dat de regering deze aanbevelingen ter harte gaat nemen en daar verder op kan bouwen. Voilà. Dank u, mevrouw Zamouri. Je cède à présent la parole à madame Nagy pour le groupe Défi. Merci beaucoup, monsieur le président. Bien sûr, je m'associe aux remerciements que l'ensemble de mes collègues a adressés aux intervenants, aux services, à tous ceux qui se sont démenés comme jamais par rapport à cette crise. Mais je souhaiterais également, dans un premier temps, saluer la mémoire de toutes ces personnes qui sont décédées, de leurs familles, qui sont décédées dans des situations d'isolement, de difficultés, pendant cette première période de la crise, dans des conditions qui nous étaient racontées de manière assez poignante. Et je pense que c'est notre premier devoir de dire que c'est pour elles, que c'est pour éviter ce genre de situation que la Commission a travaillé et tenté de faire des recommandations pour nous mettre à la hauteur. Et une des premières recommandations importantes, c'est celle de l'unité de commandement. Nous avons vécu en live le stress test, comme dit ma collègue Delphine Chabert, de la sixième réforme de l'État qui a découpé en dentelle les compétences en matière de santé et cela ne s'est pas toujours avéré le plus efficace possible. Et donc l'unité de commandement s'est tentée aussi de retrouver cette capacité de leadership, parce qu'on ne décrète pas le leadership, mais on se donne les moyens d'exercer ce leadership en recommandant une unité de commandement et une cohérence dans la communication et les messages qui sont donnés aux opérateurs. Pouvoirs locaux, des communes, les bourgmestres ont été en première ligne et heureusement, parce qu'ils ont répondu dans cette sorte de grande difficulté à des demandes de toutes sortes, de toute nature, et ils l'ont fait, je pense, de manière assez remarquable. Les CPAS aussi, ils ont été renforcés par l'action de la région qui a injecté 30 millions d'euros rien que pour les CPAS bruxellois pour faire face à l'urgence. Sociale. Nous voulons également mettre en évidence le soutien aux entreprises. Le secteur économique doit pouvoir passer cette difficulté qui est la crise du Covid et retrouver après une capacité de se déployer. C'est pour cela que nous proposons des mesures ciblées en lien avec le chiffre d'affaires des entreprises. Comme le souligne à chaque intervention notre collègue Christophe Magdelaines. Il y a également l'importance des politiques de l'emploi. Il y a d'abord le soutien qui a été fait à des secteurs essentiels comme celui des titres-services pour justement passer ces moments difficiles, mais aussi pour préparer l'avenir. Et nous avons, dans les recommandations, mis l'accent sur le besoin de nouvelles formations pour les nouveaux défis qui nous attendent à la sortie de cette crise Covid. Quatrième élément que je souhaite mettre en évidence, c'est le maintien, la nécessité de maintenir en présentiel l'accès aux services publics et assimilés, mutuelles, syndicats.
Pourquoi? Parce qu'on a vu la fracture numérique, la difficulté des publics les plus fragiles d'accéder à leurs droits et aux aides qui étaient là pour eux. Et donc, voilà, une réflexion importante, maintenir l'accès en présentiel à ces services. Il faut également, parce que les maisons de repos, c'est le grand chantier dans les années à venir, elles ont été le théâtre ou le lieu de situations extrêmement difficiles, des situations humaines du côté des résidents, du côté des travailleurs. Donc, nous voulons que l'administration métier IRISCARE à l'avenir soit renforcée pour pouvoir remplir mieux son rôle de contrôle et de suivi de ce secteur pour que plus jamais on ne connaisse des situations comme on a connu. Nous voulons également un plan opérationnel pour le testing, le tracing et l'isolement des personnes contaminées dans le respect, bien entendu, et avec une attention particulière à la protection des données, à la protection de la vie privée. Et il me semble qu'avec ce tour des questions et des recommandations, il y a du pain sur la planche pour le gouvernement. Il y a de quoi effectivement assurer dans les mois à venir un suivi de ces recommandations. Et nous invitons le gouvernement effectivement à suivre cette feuille de route pour faire de Bruxelles un meilleur lieu pour les Bruxelloises et les Bruxellois. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Nagy. Tisnud Burt, Anne Vrouw, Elke Rochette pour One Brussels SPA. Mevrouw Rochette. Dank u wel, meneer de voorzitter. Wij zijn heel blij met het werk van de voorbije maanden. Er is veel tijd gestoken in de hoorzittingen en we hebben er heel veel uit geleerd. De getuigenissen waren verhelderend en vaak ook emotioneel. Bedankt aan alle actoren voor hun werk op het terrein en voor hun eerlijke getuigenissen. De pandemie is nog niet voorbij en zelfs als ze voorbij is, zullen we met gelijkaardige crisissen moeten rekening houden. Er kunnen nieuwe virussen opduiken en dan moeten we klaarstaan. Eenheid van commando is nummer 1 van de aanbevelingen en terecht. Die eenheid van commando is nodig. De crisis heeft dat wederom bewezen. De Brusselse institutionele lasagne heeft ons parten gespeeld. 19 gemeenten, een minister-president, een hoge ambtenaar, verschillende taalgemeenschappen. De reactietijd moet naar omhoog en het moet duidelijk zijn wie de beslissingen neemt. Het lijkt alweer lang geleden, maar in het begin van de crisis bestelde Brusselse gemeenten mondmaskers op eigen houtje. Ze concurreerden met elkaar op de markt van mondmaskers. Ze hadden een andere aanpak in verdeling en dat is verwarrend. Eén systeem voor iedereen is veel gemakkelijker, het is duidelijk en voordeliger, want bestellingen in grote volumes kosten minder. Zonder centrale regie loopt het fout, dat hebben we gezien. Harmoniseer de specifieke, speciale beperkende maatregelen en richtlijnen in tijden van pandemie. Verschillende regels in naburige gemeenten zijn verwarrend. Harmoniseer de communicatie en regels voor sociale steunmaatregelen voor burgers tijdens de crisis. Dat is goed in tijden van crisis, maar ook in normale tijden. En het is zeker een oefening die de Brusselse OCMW's moeten maken. Op basis van alle argumenten moeten beslissingen worden genomen. En dat is een politieke verantwoordelijkheid. Politici moeten ook zelf die beslissingen toelichten. Maatregelen met grote impact voor de Brusselaar moeten worden gecommuniceerd door het politieke niveau zelf. Niet alleen door adviesorganen of andere betrokkenen. De boodschap moet voor iedereen te verstaan zijn. Duidelijk, begrijpelijk, meertalig en met inbegrip van niet-klassieke kanalen. Besteed extra aandacht aan de Brusselaar die niet de klassieke media volgt, met communicatie op maat. Eenduidige en begrijpelijke communicatie is essentieel. Snel reageren betekent niet onbesuist te werk gaan. Betrek op tijd het hele werkveld. De gehandicapte sector, ziekenhuissector, rusthuissector, collectieve woonvoorzieningen, huisartsen. Zij moeten betrokken worden bij beslissingen, want zij moeten de instructies uitvoeren en maken het waar op het terrein. Uiteraard is daar een spanningsveld, want overleg vraagt tijd. Dat wringt met de noodzaak
maatregelen te nemen. Maar wat bleek uit de hoorzittingen, overleg met de uitvoerders is nooit verloren tijd. De armoedetoets is voor ons heel belangrijk. De crisis treft iedereen, maar sommigen erger dan anderen. Blijf in uw kot, dat was pas een klare boodschap. Maar wat als je geen kot hebt? En wat met een puber uit een groot gezin dat in een eenkamerappartement woont? Hoe moet zo'n puber het volhouden? Maatregelen kunnen terecht zijn, maar daarom zijn ze nog niet voor iedereen haalbaar. We moeten vermijden dat we de ongelijkheden uitvergroten. Voer een kwetsbare toets in bij het nemen van bepaalde maatregelen. Wie raakt er in de problemen? Wie is niet in staat om de regels te volgen? Welke flankerende maatregelen zijn nodig? We zijn heel blij dat dat ook in het rapport aan bod komt. Doelgroepen zoals thuislozen, personen met een handicap, alleenstaande ouders, mensen met arbeidswerkers, psychisch kwetsbaren, jongeren in de jeugdzorg enzovoort. Aanvankelijk werden ze over het hoofd gezien. En zij verdienen extra aandacht, zodat iedereen vanaf dag één mee is en niemand uit de boot valt. Dat is vandaag nog altijd actueel bij het vaccineren. Er doet veel fake news de ronde. Begrijpen Brusselaars waarom vaccineren belangrijk is? Dat het veilig is en gratis. In sommige huishoudens worden brieven van officiële instanties niet geopend, want het zouden wel eens facturen kunnen zijn. De brief openen, hem lezen, begrijpen wat er staat, een afspraak maken, uitdokteren hoe je in het vaccinatiecentrum geraakt. Het zijn heel wat hordes om te nemen. Voor geschoolde mensen met een internetverbinding thuis is het een fluitje van een cent. Voor anderen is het een huizenhoge drempel. We moeten onze maatregelen vanuit het perspectief van die Brusselaars bekijken. Slagen we erin alle doelgroepen te bereiken, zijn we duidelijk, is iedereen mee en indien niet, hoe sturen we onze aanpak bij? Brussel is wat we delen, dus moeten alle Brusselaars ook mee zijn in de aanpak van deze pandemie. Tot slot wil ik nog de rapporteurs bedanken, de voorzitter en de diensten voor het belangrijke werk dat ze geleverd hebben. Dank je wel. Dank u, mevrouw Rochette. Je cède à présent la parole à madame Céline Frémaux pour le groupe CDH. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci aux uns et aux autres d'abord de leur présence. J'avais insisté largement sur le moment qui était celui du vote, des recommandations et de cette dernière expression des groupes politiques au sein de cet hémicycle. Il y a un an, le 11 mars, Bruxelles enregistrait son premier décès Covid. Le 13 mars, le confinement a été déclaré pour toute la Belgique. La crise a éprouvé les maisons de repos, les hôpitaux, les soignants. Elle a fait basculer toutes nos vies. Elle nous a aussi fait face au deuil, privé d'adieu, à l'angoisse, à l'imprévisibilité d'une situation qui touche encore pour tous nos quotidiens. Nous nous sommes retrouvés à Bruxelles face à l'exacerbation de problèmes. Nous nous sommes vus pris d'assaut par des restrictions de liberté. Nous avons vu aussi une communauté pleine d'humanité faisant du bien commun une priorité pour 2020, même si les difficultés ont été très nombreuses et éprouvantes humainement. Alors je voudrais remercier mes collègues, je voudrais surtout vous remercier vous, Monsieur Madran, président de cette Assemblée, remercier les rapporteurs, car durant plusieurs semaines, au cours de dizaines d'auditions, nous avons pris le temps. Nous avons pris le temps de l'interrogation, le temps de l'interaction, surtout d'une réflexion sur tous les aspects de la première vague. Nous avons échangé dans le respect afin de faire le bilan de cette première vague et ce ne fut pas toujours un exercice facile. Mais nous y sommes arrivés. Les recommandations présentées aujourd'hui sont le fruit d'un long travail constructif qui se base sur les échanges avec les acteurs de terrain, les experts qui ont aussi pris ce temps pour nous transmettre leur vécu et tirer un certain nombre déjà de conclusion de cette première vague. Alors pour le CDH, ce travail est également un travail de mémoire, et je tiens à insister là-dessus, qui doit pouvoir permettre de mettre des bases solides afin de ne pas répéter les erreurs du passé. Quelles sont les grandes lignes pour nous qui doivent être retenues? La question de l'anticipation est fondamentale. La mise en place d'un plan multirisque permettra de cadrer une réaction rapide et efficace en temps de crise. Ce plan doit encore permettre et prendre le temps d'une réévaluation des compétences en temps de crise, de permettre une chaîne de commandement claire. C'est vrai que la crise a mis en exergue un manque de préparation des pouvoirs publics et pas uniquement sur la question de la gestion de ça. Ça a été un chaos, un vrai chaos important, il faut pouvoir le dire, afin de s'assurer que ça ne doit plus pouvoir se reproduire.
La question de la communication aussi est un élément important d'un plan de crise, mais aussi d'une chaîne de commandement claire. C'est un élément qui, lorsqu'il n'est pas cadré, peut avoir des effets néfastes, tels que par la propagation d'anxiété générale, de confusion, et elle laisse aussi la place aux fake news. Nous devons pouvoir assumer les manquements en termes de communication vers les citoyens, vers les secteurs, et assurer une clarté dans une communication qui soit d'une part efficace et d'autre part claire. Le point de la sécurité démocratique et les droits humains. Même en temps de crise, les pouvoirs publics doivent assurer que les mesures restent proportionnelles, nécessaires, que la démocratie prime. Nous avons actionné à deux reprises les pouvoirs spéciaux au sein de cette Assemblée. Il faudra continuer à être vigilant par rapport au cadre des interventions, à la capacité que nous avons aussi, nous, parlementaires, de pouvoir contrôler l'exécutif en ces temps particuliers. Et puis, je vous le disais d'emblée en guise d'introduction, Bruxelles a été très éprouvée. Les régions wallonnes et flamandes, mais nos fragilisations ont été renforcées. Et je reviens souvent dans cet hémicycle avec cette notion de public oublié. Alors je voudrais parler des aînés, des maisons de repos. Elles n'étaient pas adaptées à faire face à cette crise sanitaire. Ça a eu des conséquences désastreuses pour eux, pour nos aînés, pour leurs familles, pour tout observateur qui regardait sans pouvoir rien faire le cauchemar dans lequel ces maisons de repos se retrouvaient. Je l'ai dit, je le redis, je le redirai, nous devons pouvoir prendre le temps face à cette situation qui mérite une remise en question complète. Nous devons mener une réflexion de fond sur le trajet de vieillissement, les offres d'hébergement, et c'est mon seul regret au sein des recommandations qui auraient dû être plus ambitieuses par rapport aux aînés et introduire cette notion de réflexion sur le trajet de vieillissement. Les personnes en situation de handicap aussi, qui ont été particulièrement éprouvées au sein des centres de jour, au sein des centres d'hébergement, par rapport à leur famille, avec des situations notamment d'enfants en grande difficulté, porteurs de trisomie 21, porteurs d'autisme. Et puis les femmes, ça a été souligné par plusieurs intervenants aussi, qui ont été en première ligne des victimes de violences conjugales, familiales, avec une augmentation de 30% de celles-ci, qui ont été des soignantes magnifiques au sein et au cœur de ces métiers du CARE, et toutes ces femmes aussi qui ont eu une charge mentale décuplée durant la gestion de la crise. Nous sommes donc à la fin de l'heure du bilan de cette première vague. Les recommandations ont, comme dit précédemment, fait l'objet d'un travail de longue haleine dont le CDH est globalement satisfait. Je pense que nous avons été un parti d'opposition constructif, déposant énormément de recommandations, exprimant dans les commissions afférentes ce qui était indispensable. Alors après le vote d'aujourd'hui, c'est également notre devoir de s'assurer que ces recommandations ne soient pas un catalogue de bonnes intentions. Ces recommandations sont un travail de mémoire dans une crise qui n'est pas encore finie, qui fait face à un certain nombre d'autres défis comme la vaccination, et pour lequel les principes de ces recommandations doivent se mettre d'ores et déjà en application. Je vous remercie. Merci, Madame Frémaux. C'est une debout à la Frau de Baat pour le CD&V-fractie. Merci, Madame Baat. Merci, Madame de voorzitter. Meneer de minister-president, beste collega's, ik zou om te beginnen graag aansluiten bij de woorden van dank en lof ook, die werden uitgesproken door verschillende collega's al. Ik denk dat er inderdaad heel wat ongelooflijk boeiende hoorzittingen zijn geweest en debatten de revue gepasseerd. En zoals ik ook bij de persconferentie heb gezegd, meneer de voorzitter, wil ik ook mijn dank aan u uitspreken. U heeft heel wat, meneer Madran, heel wat lange dagen hier gezeten in het parlement, want u was werkelijk bij elke hoorzitting bij. En u heeft er ook op toegezien dat de debatten sereen, weliswaar met de nodige passie, dat mag, maar toch sereen en respectvol verlopen zijn. Maar om even terug te grijpen naar de inhoud, wil ik toch nog eens herhalen dat niemand voorbereid was op een dergelijke crisis. Wie bij de nieuwjaarsvoorspellingen van 2020 zou gezegd hebben dat we het grootste deel van het jaar in ons kot zouden doorbrengen en dat het mondmasker noodgedwongen het mode-item van het jaar zou worden, wel, men zou die man of vrouw voor gek hebben verklaard. En toch is het helaas realiteit geworden. De werkelijkheid haalde ons in een razendsnel tempo in en we zagen ook dat het coronavirus ook op Brussels niveau diepe wonden heeft geslaan. Zeker op menselijk vlak, denken we maar aan de schrijnende situaties in de rusthuizen, maar zeker ook op economisch vlak.
door de verplichte sluiting van heel wat winkels en bedrijven. En uiteraard zijn er fouten gemaakt in het beheer van deze crisis. Niet alleen in Brussel, we moeten dat durven erkennen, dat er fouten zijn gemaakt op alle beleidsniveaus. Dat was waarschijnlijk ook onvermijdelijk gezien de omvang en de snelheid van deze crisis. En ik ga die fouten en de dingen die beter konden niet allemaal herhalen. We hebben daar in de commissie al heel lang en degelijk over en stevig over gedebatteerd. Het is ook niet gespreksonderwerp van vandaag. Wat wel belangrijk is, en dat is het belang van deze COVID-commissie, dat zijn die 183 aanbevelingen. En die moeten een leidraad bieden om toekomstige crisissituaties, maar ook degene waar we nu nog in zitten, om die beter te managen. Om tot een betere coördinatie te komen. En ik denk dan, ik ga ze niet allemaal uithalen, die aanbevelingen, maar het belang van meertalige communicatiecampagnes, omdat we weten dat tot op vandaag we er niet in slagen om verschillende groepen te bereiken. De strijd tegen fake news, hè, ik herhaal het nog eens, hè, als je 40% van zorgpersoneel dat zich niet wil laten inenten omwille van fake news, dan is dat echt een probleem. Hè. Dan moeten we daar een tandje bij schakelen. Ik denk ook de betere coördinatie van economische steunmaatregelen. Betere coördinatie, maar ook meer doorgedreven steun. Hè, want het water staat de mensen aan de lippen. Nu vind ik al die 183 aanbevelingen even goed, natuurlijk niet. Maar vind ik het een goede tekst die mag of die moet dienen als leidraad voor het beleid, zeker. Desalniettemin had ik het gevoel dat sommige amendementen die door de oppositie werden ingediend, misschien wat te snel onder de mat zijn geveegd. En ik ga twee voorbeelden noemen. Ik vind het zeer erg jammer dat ons eigen CD&V-voorstel rond de rol van geloofsgemeenschappen niet werd aangenomen. En ik weet dat een aantal mensen daar wat lacheren hebben over gedaan. Ja, natuurlijk, het komt van de CD&V. Hè. Ze zijn daar weer met hun geloofsgemeenschappen. Wel, ik stel alleen maar vast, meneer de minister-president, dat in Vlaanderen de Open VLD dat wel heeft gedaan. En nochtans kan je de Open VLD nu niet meteen beschuldigen van een doorgedreven liefde voor religie of geloofsgemeenschappen, maar Bart Somers en ook minister Van Quickenborn heeft gezegd die geloofsgemeenschappen, of dat dan nu christenen zijn, moslims, joden en zoveel andere gemeenschappen, die hebben een rol te spelen. Zij kunnen misschien mensen bereiken die de overheid niet kan bereiken. Hè? Een zekere achterban die ja, misschien wat moeilijker vatbaar is voor die boodschappen. We gaan iets doen met die mensen. En er zijn prachtige filmpjes gemaakt om die verschillende geloofsgemeenschappen te bereiken. Jammer dat dat niet is gebeurd in Brussel. Een tweede, de betere begeleiding van tijdelijke werklozen werd ook weggestemd. En dat is eigenlijk ook wel jammer, omdat ik ook daar zie dat men in Vlaanderen wel akkoorden sluit met de federale regering en zoekt naar vormen van samenwerking om deze groep, hè, precaire werklozen, toch voldoende tools en ondersteuning te bieden. Slaagt er men in Brusselse parlement blijkbaar niet in om hier een aanbeveling rond goed te keuren. Maar goed, dat zijn twee elementen die ik er even wou uitlichten. Ik weet ook wel, je kan nooit iedereen 100% tevreden houden in een breed debat als dit. Tot slot, en dat is misschien wel het belangrijkste. Wat mij zeer sterk getroffen heeft, was de unanimiteit waarbij alle partijen, oppositie, dat is misschien evident, maar ook meerderheid zei, waar we echt in gefaald hebben, dat is gebrek aan leiderschap. Het was bij momenten zo'n cacofonie van regels dat je eigenlijk door het bos de bomen niet meer zag. En ik vind dat moedig. Ik vind dat moedig dat meerderheidspartijen de hand in eigen boezem steken en zeggen, ja, hier heeft onze minister-president, hier heeft onze regering in gefaald. De vraag is natuurlijk, wat gaat er nu gebeuren? Zal diezelfde meerderheid met evenveel moed maatregelen durven nemen om wel tot meer efficiëntie te komen? Zal diezelfde meerderheid met evenveel moed maatregelen durven nemen om wel tot eenheid van commando te komen? Dat blijft nog maar zeer de vraag. We zullen dat met heel veel accuraatheid en heel veel interesse opvolgen. Ik dank u. Dank u, mevrouw De Bat. Alors, je ne sais pas si monsieur Kenny souhaite intervenir, sinon je clôture la discussion. Ja, kort, meneer. Dank u wel. Monsieur Kenny. Dank u wel voor de uitgebreide werken van de commissie, inderdaad. In eerste instantie ook mijn dank, zoals we veel hebben uitgedrukt, naar alle mensen die op de eerste lijn stonden tijdens deze crisis, die op de eerste lijn staan tijdens deze crisis, want het is niet voorbij. Eerste golf, tweede golf, derde golf in aantocht.
die mensen staan er nog altijd. In het parlement, voor zover ik de werken heb kunnen volgen, want het was natuurlijk heel veel werk voor een eenmansfractie om nog eens op dat te volgen, leek het mij een uitzonderlijke openheid van discussies. En dat wil ik ook wel benadrukken. Dat is iets dat we niet altijd zien in een parlementaire setting en dat hier echt wel een openheid is geweest om samen naar oplossingen en naar aanbevelingen te kunnen zoeken. Dat heeft dan ook geresulteerd in een lijvig rapport van 1000 pagina's of meer, dat we helaas pas enkele dagen geleden hebben kunnen krijgen, dus we hebben niet alles kunnen nalezen. Maar ik haal enkele van de aanbevelingen uit die ons interessant lijken, omdat ze in de lijn liggen van de burgerresolutie van de burgerassemblee over huisvesting, maar de principes zijn gelijkwaardig. De eenheid van commando is er daar één van. Het extra gaan beschermen en echt aandacht hebben voor extra kwetsbaren, we denken aan straatbewoners, we denken aan mensen die in de informele economie leven, is een andere. En het laatste is het betrekken van de zorgverleners. Wat dat toch wel belangrijk is om met mensen op het terrein echt te kunnen praten om een oplossing te vinden voor de actuele problemen. Alors, il y a une chose qui nous manque un peu dans les recommandations, c'est d'impliquer les Bruxellois dans les choix moraux qui sont à faire dans une gestion de crise. On a souvent dit, en fait, si votre maison est en feu, s'il y a un incendie, on appelle les pompiers. Et c'est vrai, on a octroyé les pouvoirs spéciaux au gouvernement pendant la première vague, ou juste la limite de la première vague, pour qu'ils puissent vraiment agir. En même temps, j'ai appelé à ce moment-là que le gouvernement de faire en sorte que d'aider les Bruxellois à aider les autres Bruxellois. Parce que je pense qu'effectivement, même s'il y a un incendie, on peut se parler. Surtout si cet incendie dure. Si ça dure pour une vague, deux vagues, trois vagues, si ça dure pour plus qu'une année, on a le temps de débattre. Et s'il y a un feu dans une maison, on peut discuter avec les voisins, on peut discuter avec le quartier, comment faire en sorte que le feu ne va pas aller brûler dans toutes les maisons, mais restera dans une seule, éventuellement deux, lesquelles on peut choisir, on peut débattre, il y a le temps de le faire. Je crains qu'aujourd'hui, ça n'est pas fait, et je manque cette recommandation dans les recommandations du rapport. Je trouve ça dommage, parce qu'il y a quand même une vraie opportunité de débattre les vrais choix avec les Bruxellois et non seulement entre nous. Voilà, c'est vraiment la seule chose qui me manque dans la recommandation globalement. Je vais en tout cas devoir m'abstenir, ne pas ayant un mandat de l'Assemblée citoyenne pour cette thématique spécifique. Mais voilà, je voulais quand même soutenir ou souligner plutôt ce point-là dans les recommandations que ça me manque de vraiment avoir une discussion démocratique, non seulement dans le Parlement, parce que ça c'est dedans, mais avec les Bruxellois, les Bruxelloises, au niveau politique et de manière structurée sur les mesures à prendre. Merci, Danku Mener Kenis. Je vous remercie toutes et tous pour vos interventions. Je vais céder à présent la parole à Monsieur le ministre-président Rudy Vervoort. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais profiter de l'occasion que vous me donnez aujourd'hui pour évidemment saluer d'abord l'important travail qui a été réalisé par ce Parlement dans un esprit constructif et remarquablement collégial. La tâche était difficile, nous le mesurions tous, analyser la gestion d'une crise sanitaire mondiale alors que nous étions encore au cœur de celle-ci est assurément un défi. Défi relevé assurément, notamment parce que vous vous êtes donné le temps de l'écoute de très nombreux acteurs. Vos très nombreuses recommandations témoignent de l'importance de ce travail et elles influenceront assurément le travail du gouvernement pour le reste de cette législature. Certaines reprennent des éléments déjà présents dans la déclaration de politique générale en soulignant ainsi la pertinence mais aussi l'importance de leur mise en œuvre. De nombreux autres pointent de nouveaux défis, des réponses à construire. Plusieurs ont déjà commencé à être mises en œuvre durant cette année de gestion de crise qui s'est écoulée. Citons notamment l'existence d'un plan de prévention d'une deuxième vague en MRMRS, transmis en juillet 2020 aux maisons de repos, qui contenait un certain nombre de priorités afin de faire face à une recrudescence de la crise. Je citerai notamment la demande de constituer une cellule de gestion de crise prête à réagir en situation de rebond de l'épidémie, d'opérationnaliser une procédure pour le cohortage en cas de propagation d'une infection au sein de l'institution ou de constituer un stock adéquat d'équipements et de matériel de protection. Dans le champ des MRMRS, une des vertus du travail de cette commission est d'avoir rendu public et audible la nécessité d'une réforme profonde de la prise en charge des personnes âgées. De manière où à Rob Beyard, une rusteuse versortwoord moet évoluer.
gaat er niet langer om bewoners op te vangen in zorginstellingen, maar wel om onze ouderen te verzorgen in leefruimte. Dat maakt heel het verschil uit dat we concreet in daden moeten omzetten. Maar dit vormt een project van enorme omvang, want het gaat hier bijna om een culturele omwenteling. Maar hoe indrukwekkend ze ook mag zijn, deze hervorming is reeds ingezet. Dit proces, waar al in 2019 mee van start is gegaan, is vertraagd, maar heeft uiteraard ook invloed gehad op de krachtlijnen om een hervorming van de sector in gang te zetten. De overlegvergaderingen met de rusthuiskoepels en ziekenfondsen binnen de technische commissie van IRIS-CARE, die zich over deze hervorming buigt, gaan nu van start. Mais c'est bien sûr toute la société qui a été bouleversée par cette crise sanitaire et vos recommandations couvrent tout le champ de compétences de nos gouvernements. L'aide sociale était extrêmement sollicitée pour répondre aux urgences de première ligne, comme l'ont été les domaines de l'emploi et de la formation pour le soutien et l'accompagnement, aussi bien pour les travailleurs en chômage temporaire, les chercheurs d'emploi, ainsi que les associations et entreprises à profit social. Ces compétences seront assurément sollicitées pour la sortie de crise à laquelle nous devons nous consacrer à présent. Cela sollicitera évidemment également le soutien à l'économie régionale. Nous sommes en permanence en concertation avec les partenaires sociaux pour adapter nos capacités d'aide aux besoins des secteurs. En ook bij dit werk houden wij nu al rekening met de input van de werkzaamheden van uw commissie. De vraag naar gerichte steun, volgend op de noodmaatregelen die noodzakelijkerwijs algemeen van aard zijn. Dat werd in aanmerking genomen om de laatste premie te bepalen die de regering volgende week zal goedkeuren. Er is gericht gewerkt, bestaan van een minimaal omzetverlies, een aangetoond omzetverlies tussen 2019 en 2020, om de bedrijven te bereiken die op het grondgebied van het gewest actief zijn en die hard door de crisis zijn getroffen. Deze gerichtheid wordt gekoppeld aan criteria in verband met het aantal voltijdse equivalenten om zo dicht mogelijk bij de realiteit van de ondernemers aan te sluiten. Ook de lokale overheden staan in de frontlijn. We nemen nota van uw aanbevelingen om elke vorm van steun aan de lokale overheden in geval van crisis aan te moedigen. De gemeenten hebben zwaar te lijden onder de huidige situatie en hun toekomst mag niet gehypotheekt worden door een grote crisis als deze. We weten dat we samen moeten werken, gemeente en gewest, om Brussel erop te bouwen. Si c'est véritablement presque toutes les compétences régionales qui ont été sollicitées durant cette crise et le seront encore pour la relance, je voudrais ici saluer les services qui se sont trouvés en première ligne pour répondre à la crise. En cité, comporte toujours le risque d'en oublier, on le sait. Mais je veux saluer le personnel d'IRIS-CARE et les services de la COCOM, les services d'aide aux plus défavorisés, BruxHelp et le New SAMU, nos services régionaux comme Bruxelles Économie et Emploi, terriblement sollicités, le service pompier, le SIAMU, les forces de l'ordre dans les communes, et BPS, les chauffeurs de la STIP, les travailleurs de la propreté. Bref, tous ces travailleurs qui ont assuré le fonctionnement de notre société durant cette longue crise. Je leur ai dit à tous notre reconnaissance et donc merci à eux. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, le gouvernement prendra vos recommandations à bras le corps. Nous nous engageons à travailler à leur mise en œuvre et à réaliser avec vous un suivi rigoureux de cette mise en œuvre. Bien entendu, certaines recommandations seront sans doute préférentiellement prises en charge par votre Assemblée. Nous devrons nous accorder pour être le plus efficace possible dans la réalisation de ces recommandations. Car nous aurons besoin de toutes les forces, toutes les volontés pour soigner Bruxelles et les Bruxellois, panser les plaies de cette crise profonde et relancer Bruxelles, relancer la vie sociale, l'activité économique, la culture. Et nous nous engageons tous à nous consacrer entièrement à cet objectif. Voilà, je vous remercie pour votre bonne attention. Ministre Président, pour votre intervention, est-ce que quelqu'un d'autre demande la parole? Je ne vois pas d'autres demandes de parole. Nous allons passer à la discussion des recommandations sur la base du texte adopté par la commission spéciale. Bon, évidemment, pas repasser en revue les 184 recommandations. Donc, nous passons de la première à la 184e recommandation. Y a-t-il des demande d'intervention. Nous procéderons donc tout à l'heure au vote nominatif sur l'ensemble des propositions de recommandation. Alors, chers collègues, avant de passer au débat d'actualité, puis-je rappeler à tous les collègues qui nous écoutent à distance de ne pas oublier de se connecter et de ne pas oublier surtout de faire le vote test qui permettra de voter tout à l'heure.
N'oubliez pas, c'est important, parce que sinon vous ne pourrez pas voter. Alors, chers collègues, conformément à l'article 113 du règlement et après consultation des présidents de groupe et des auteurs des questions d'actualité déjà introduites à ce sujet, l'ordre du jour modifié appelle un débat d'actualité relatif à l'application par le gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale de l'ordonnance du 27 avril 1995 sur les services de taxi et les services de location de voitures avec chauffeur. Je vous rappelle qu'à l'exclusion des groupes politiques auxquels appartiennent les auteurs des questions d'actualité, un seul membre par groupe politique peut également prendre la parole pendant 2 minutes. Alors nous allons passer tout de suite au premier intervenant et donc l'ordre est celui dans lequel les textes et les demandes de questions ont été déposées et introduites. Nous allons démarrer par le groupe CDH, par la question de M. Christophe Debeuquelard. Je ne sais pas s'il m'entend. S'il m'entend, je lui cède volontiers la parole. Monsieur Debeuquelard. Monsieur le Président. Oui. Monsieur Debeuquelard avait comme information que ça commençait à 11h30. Donc, je pense qu'il est en route. Ah. Parce que c'est donc, ce qui a été communiqué. Donc, peut-être le prévenir de se connecter, alors. Oui, mais il devait venir ici. Mais c'est ce qui avait été communiqué au départ, c'est-à-dire un timing de 11h30. Ce n'est que qu'on a dit que c'était dans la foulée des recommandations. Mais il avait été communiqué au chef de groupe, dans un premier temps, que les questions d'actualité sur Uber aurait lieu à 11h30. Ah, apparemment, les services me disent qu'il y a un courrier qui a été adressé à l'ensemble des collègues en disant que c'était à l'issue de ce matin. Oui, à l'issue. Mais c'est possible. Je vais essayer de le... Bon, je vais vérifier pour voir si les autres, dans l'intervalle, essayent de le contacter. Alors, je vais vérifier. Monsieur Verstraten, est-ce que vous êtes avec nous? Ok. Monsieur Weitzmann, est-ce que vous êtes à distance? Est-ce que vous m'entendez? Tout à fait. Parfait. Madame de Baat, c'est ici. Mevrouw Van Achter. Meneer de voorzitter, mevrouw Van Achter is normaal gezien ook op weg naar de plenaire zittingszaal. Zij komt mij hier vervangen voor het verdere verloop van de dag. Ik was hier in principe enkel voor het debat over de COVID-commissie. Dus normaal gezien moet zij ook... Pour le moment, il n'y en a que deux qui sont concernés. Je les mettrai à la fin, le temps qu'ils se connectent. Mevrouw de Jong. Ik ben er, meneer de voorzitter. Oké, monsieur Lovenstein, je vous vois. Monsieur Andichi, il arrive. Oké. Monsieur Haïdar est parmi nous. Et monsieur Icazban, vous m'entendez? Il est super, parfait. Donc ce que je propose de faire, c'est mettre monsieur Debeuquelard et madame Van Achter à la fin. Il est là, il est dans l'ascenseur. Ah ben c'est super, c'est parfait. Ah, d'accord. La version... Je vous remercie. Voilà, M. Andichi arrive, je vois. OK. Et donc, on attend encore M. Debeuquelard. Merci. Donc, je... OK, mais je vais commencer par le deuxième. Alors, meneer Verstraten, u hebt het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik ben blij dat we dit debat kunnen hebben. Want er is de afgelopen week veel chaos ontstaan over... Uber in Brussel. Het communicatietraject, meneer de minister-president, dat u de afgelopen week hebt afgelegd op dat vlak, verdient niet bepaald een schoonheidsprijs. De imagoschade voor Brussel is er al. Terwijl alle mogelijke vervoersvormen vandaag met de smartphone geregeld worden, wekt u nu de indruk dat dat in Brussel verboden wordt. En sinds gisteravond is de chaos echt compleet. U had eerst gezegd verboden smartphone te gebruiken. Gisteren raakte dan bekend. Het zal dan toch getolereerd worden tot het grondwettelijke hof zich heeft uitgesproken over de rechtsbasis van die regels. En nu hebt u dan toch weer gezegd dat het vanaf volgende week streng zal opgevolgd worden. Dus de chaos is compleet en ik denk dat u daar dringend helderheid moet brengen. Dus mijn vragen zijn, wat is er nu effectief beslist? Gaat u het nu wel of niet effectief verbieden en vanaf wanneer? Hoe is die beslissing tot stand gekomen? Welk overleg is er geweest met de betrokkenen? En welke juridische expertise is er ingeschakeld? Het is zo dat de regelgeving vandaag nog onderzocht wordt door het grondwettelijke hof. Waarom wacht u dan niet op de uitspraak van het hof vooraleer de regel te willen afdwingen? Net zoals uw collega's in de regering hebben gevraagd, ook in de sociale media. Het regeerakkoord voorziet dat alle diensten voor bezoldigd personenvervoer worden onderworpen aan hetzelfde basisstatuut van de taxis als dienst van openbaar nut. U ging dus aan een hervorming werken, maar we moeten vaststellen dat die vandaag
nergens te bespeuren is. En kunnen jullie ons dus een stand van zaken geven? Van de opmaak van dat algemeen statuut? Dat zou nu toch de prioriteit moeten zijn, want tenslotte, meneer de minister-president, het gaat toch over heel veel jobs. De taxisector, 2000 jobs. De hele limousinevervoersector, 3000 jobs. We kunnen daar toch niet met de botte bijl in gaan. Dat kan niet de bedoeling zijn. We hebben een totaal oplossing nodig. En die hervorming, dat is hetgeen waar we die oplossing kunnen bij bieden. Dus ik wou u ook vragen, is dat ook hoe u het ziet? En tenslotte specifiek okay. Over het verbod, ja, hoe gaat u dat handhaven? Zal er gesanctioneerd worden? Hoe gaat u dat doen? Welke diensten gaan dat doen? Bedankt alvast voor uw antwoord. Dank u, meneer Verstraeten. Monsieur de Buckelaar. Oui, monsieur le ministre-président, Uber est arrivé en 2016, ça fait 5 ans. 5 ans d'inaction dans ce dossier où vous avez laissé Uber se développer en tant qu'LVC au lieu de le réguler. Et puis vendredi, sorti de nulle part, vous publiez cette circulaire. Du jour au lendemain, en pleine crise sanitaire et économique, vous empêchez 3 000 travailleurs indépendants de travailler et de nourrir leur famille. Monsieur le ministre-président, ces 3 000 chauffeurs sont des indépendants. Contrairement à ce que vous affirmez ces derniers jours, ils payent des cotisations sociales et sont en possession d'un certificat de bonne vie et mœurs au même standard que les taximens. Ils ne méritent en rien que vous les traitiez de cette façon. Après cette semaine mouvementée, je veux aussi dire ma sincère reconnaissance à l'égard des chauffeurs de taxi. Ils bossent dur et contribuent tant à la richesse bruxelloise depuis des décennies. Vous savez, je ne suis pas l'avocat d'Uber, je suis l'avocat de tous les chauffeurs, et ce n'est pas LVC contre taxi. On n'est plus au jardin d'enfants, c'est terminé. Non, c'est LVC et taxi au service des Bruxellois qui ont droit, eux, à une offre de transport rémunérée de personnes, moderne et en nombre suffisant. Et pour ça, je le dis depuis le début, il faut une nouvelle ordonnance. Un nouveau plan taxi qui modernise le statut du taxi, qui offre une solution au système de licence qui n'est plus adapté et qui permette à tous les chauffeurs de travailler avec les mêmes droits et les mêmes obligations. Et cette nouvelle ordonnance, nous devons l'écrire ensemble. Taxi, LVC et politique. Mais monsieur le ministre-président, vous faites de la politique depuis longtemps. Avez-vous déjà accepté de négocier sous la menace? Non, bien sûr. Alors vous ne pouvez pas imposer ça aux chauffeurs LVC. Vous annoncez la nouvelle ordonnance pour l'été. Et d'ici là, on a un problème. Ce matin encore, des chauffeurs LVC se sont fait contrôler avec un avertissement clair. C'était un avertissement et la prochaine fois, c'est la sanction. Ce matin, notamment au boulevard Émile Jacquemin, j'ai un exemple très concret. Alors dites-nous, monsieur le ministre-président, est-ce que oui ou non, vous pouvez confirmer qu'il y aura des contrôles et des sanctions si l'utilisation du smartphone par les chauffeurs LVC est avérée? Il faut que vous soyez clair sur ce sujet, vous ne pouvez pas laisser 3 000 familles assumer les conséquences aujourd'hui de votre inaction et il faut un moratoire sur ces sanctions et ces contrôles jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance. Merci, monsieur de Buckelaar. Monsieur Weitzmann. Oui, je vous remercie, monsieur le président. Je ne vais pas refaire toute l'histoire, on la connaît, mais monsieur le ministre-président, quand même, vous avez annoncé interdire à au moins 2 à 3 000 chauffeurs LVC de travailler à Bruxelles en pleine crise économique. Vos explications étaient pour le moins étonnantes. Hein. Ça variait entre votre volonté de faire respecter la dignité des travailleurs opprimés malgré eux, que vous privez d'emploi ce faisant, votre combat contre les plateformes dictées probablement par la proximité d'une partie de votre groupe avec quelques écuries de taxi, et puis de grandes considérations sur les relations de travail dépendant, elles, du fédéral. Sans oublier, parce que ça, c'était vraiment un argument intéressant, c'est celui de l'état de droit. Je vous rappelle quand même que l'arrêt de la Cour est interlocutoire, et vous-même, d'ailleurs, dans l'ADH, vous le reconnaissez ce matin, puisque vous nous expliquez que vous n'êtes pas tenu juridiquement de faire appliquer le jugement, mais politiquement et moralement, c'est encore plus intéressant, dans la mesure où on sait ce qui va arriver, je vous cite, si c'est ça, faire respecter l'état de droit. Alors, j'ai que 3 questions. Il y a eu un Conseil des ministres, vous avez rencontré les représentants de LVC, vous avez fait une communication dans la presse, vous avez dit que le but, c'était de rappeler les règles et non de mettre à genoux un secteur déjà fragilisé. Je comprenais donc qu'il allait y avoir une certaine souplesse dans ces contrôles. Or, après, j'ai cru comprendre qu'il y avait un communiqué de presse où vous allez dire que vous allez maintenir les sanctions. Ma question est claire. Est-ce que vous pouvez nous dire oui ou non si des chauffeurs qui travaillent avec des plateformes Uber ou Hitch seront verbalisés? Si oui ou non, leurs voitures seront saisies? Deuxièmement, ça fait des années qu'on vous demande aussi une réforme. Vous semblez vouloir aller très vite.
Très bien. Est-ce que vous allez consulter l'ensemble du secteur, taxi, chauffeur LVC, l'ensemble des plateformes? Et enfin, monsieur le ministre-président, je vous le demande officiellement, puisque je l'ai déjà demandé via la commission, est-ce que nous pouvons repartir de l'étude Deloitte, avoir une présentation en commission, parce que cette étude, votre étude, a fait des recommandations intéressantes pour une réforme du secteur? Merci, monsieur Weitzman. Mevrouw de Baat. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter, meneer de president, collega's. Laat mij stellen dat elk bedrijf Belgische wetgeving en ook sociale wetgeving uiteraard moet respecteren. Laat dat duidelijk zijn. Maar met de maatregel die u neemt, en die trouwens door uw eigen meerderheid eigenlijk met de grond gelijk werd gemaakt, katapulteert u Brussel 100 jaar terug in de tijd. Na het debacle rond 5G opnieuw, een vooruitgang, een evolutie, een technologische evolutie die u zomaar ongedaan maakt, onmogelijk maakt. De imagoschade, zoals meerderheidspartij Groensche, is inderdaad niet te overzien. Vandaar dat ik u graag een aantal vragen voorleg. Hoe komt het dat er geen voorafgaand overleg met Uber plaatsvond, voorafgaand aan uw beslissing? Hoe komt het dat blijkbaar uw eigen meerderheidspartijen niet op de hoogte waren? Voorziet de regering een compensatie voor de getroffen chauffeurs en hun familie uiteraard, want die mensen dreigen nu zomaar van de een op de andere dag in de kou te staan? Kunt u toelichten waarom u deze beslissing heeft genomen alvorens het grondwettelijk hof zich hierover heeft uitgesproken? En kan u een stand van zaken geven wat betreft de nieuwe ordonnantie, die ongelijkheden moet aanpakken, die moet zorgen voor een level playing field. Want nu worden eigenlijk twee precaire groepen tegen elkaar opgezet en u creëert dat eigenlijk. Dus ik kijk alvast heel erg uit naar de antwoorden die u daarop zal bieden. Dank u, mevrouw de Baat. Het is nu de beurt aan mevrouw Sieltje van Echter. Dank u wel, meneer de voorzitter. Geachte minister-president, de taxisector verdient al jaren dat uw regering werk maakt van een nieuwe, moderne wetgeving. Waar u tot nu toe in gefaald hebt. U slaagt er niet in om knopen door te hakken. Maar de Brusselaar blijft niet stilstaan. De Brusselaar omarmt innovatie. De Brusselaar leeft wel degelijk in de 21ste eeuw. Gebruikt zijn smartphone, vindt het makkelijk om via zijn smartphone een Uber te bestellen. En ineens beslist u, op basis van een juridische procedure die niet eens beëindigd is, beslist u om Uber te gaan sanctioneren op basis van een wetgeving die al helemaal achterhaald is. Een wetgeving uit 1995, in een tijdperk waar een smartphone nog niet eens bestond. En die u moet moderniseren. En dat u het niet doet. Dus meneer de minister, mijn vragen zijn heel duidelijk. Is het uw bedoeling om eerst een sector kapot te maken, alvorens u gaat in gang schieten? Hoe asociaal kan je zijn als je 3000 chauffeurs hun job wil afpakken en hun familie zonder inkomen zetten? En is dit een beslissing van uw regering? Wil ik ook weten. Want Open VLD, SPA waren heel kritisch in de sociale media, maar gisteren heeft u ministerraad gehad en heeft u achteraf gezegd dat u verder gaat sanctioneren op basis van een wetgeving die al lang achterhaald is en waarvan u de plicht heeft om deze te moderniseren. Dank u, mevrouw Van Echter. Het is nu de beurt aan mevrouw Carla de Jong. Mevrouw de Jong, u hebt het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik denk dat de zaak duidelijk is. Er is een tussentijd, dus geen definitief arrest van het Hof van Beroep van Brussel in de zaak aangespannen door de taxisector tegen Uber, waarin de rechtbank aan het grondwettelijk hof een prejudiciële vraag stelt. Het hof heeft dus niks beslist, maar het is wel een sterk signaal. Het hof van beroep uit dus een sterk vermoeden dat de Brusselse ordonnantie in deze niet conform is. Feitelijk weten ze het niet zo goed en stellen ze de vraag aan een hogere rechtbank: hoe zit dat nu tussen de oude ordonnantie en de nieuwe Uber & Co.? Ik denk dat iedereen ervan uitging dat het van gezond verstand zou getuigen om het antwoord van het grondwettelijk hof af te wachten. Paniek zaaien in de sector na gedoogbeleid door plots te gaan herinneren aan sancties
van een ordonnantie van 26 jaar oud. Je moet ophouden. In 95 bestonden er nog geen smartphones. En ik denk dat het ook verstandig zou zijn om te focussen op een beleid waarin we deze nieuwe economische modellen zoals Uber integreren in onze wetgeving eerder dan ze te weren. Ik denk dat onder andere in zaken sociale bescherming, sociale bijdrage, fiscale bijdrage of arbeidsrecht de uitdagingen zeer groot zijn. Meneer de minister-president, een nieuwe regeling uitwerken zal niet evident zijn, maar er moet aan begonnen worden en als we de pers mogen geloven, zal dat voor de zomer rond zijn. We moeten met onze tijd mee, we moeten ons aanpassen. We willen als gewest ambitieus zijn in de nieuwe mobiliteit met Maas, maar ondertussen voeren we een achterhoede gevecht uit op het vlak van de taxis. De wetgeving, nationaal en internationaal, haalt ons intussen in. Graag dan ook volgende vragen. Gaat de Brusselse administratie effectief controleren en verbaliseren of past dit in een communicatiestrategie binnen de sector? Misschien is de vraag wat ongebruikelijk, maar de ongebruikelijke berichtgeving roept deze ook op. Of zal de minister-president de beslissing van het grondwettelijk hof afwachten en ondertussen aan de hervorming en modernisering van de sector werken? Bestaat daarvoor een planning? Ik dank u bij voorbaat. Dank u, mevrouw De Jong. Monsieur Levenstein. Monsieur Levenstein, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas, monsieur Levenstein. Il faudrait que vous repreniez. Pourtant, vous avez le micro ouvert. Réessayez un peu. Non. On vous entend très, très faiblement. Peut-être que... Soit... Oui, ça a l'air mieux, déjà. C'est mieux? Oui, parfait. OK. Donc, je recommence. Donc là, je suis déjà à 1 minute 30. Hein, mais... voilà. Donc, nous sommes donc ici, je le disais, confrontés à une situation complexe. Nous apprenions ce week-end que la région décidait d'appliquer l'ordonnance de 1995, ce qui est, à première vue, logique, vu que c'est la loi. Mais dans le même temps, une réponse de la Cour constitutionnelle à des questions préjudicielles est attendue et pourrait remettre en question le dispositif de l'ordonnance de 1995, puisque cette ordonnance pourrait être incompatible avec la liberté d'entreprendre. Par ailleurs, le monde a évolué entre 1995 et 2021 et on ne peut pas indéfiniment faire l'impasse sur cette réalité, les nouvelles technologies. Enfin, si l'on peut aisément comprendre la satisfaction du secteur des taxis suite à l'activation des contrôles, nous ne pouvons pas ignorer l'impact direct de cette décision sur les quelques 2000 chauffeurs LVC et leurs familles privées de leurs sources de revenus. Alors la situation actuelle, le conflit permanent entre le secteur des taxis et notamment Uber doit cesser et a trop duré. Il est urgent de moderniser le secteur, y intégrer pleinement les nouvelles technologies, réformer l'ordonnance taxi afin de permettre une saine concurrence entre les différents acteurs et aboutir à la mise en place de conditions de travail décentes et légales pour tous les chauffeurs. Vous avez annoncé hier vouloir aboutir à une réforme avant l'été. Nous serons bien sûr attentifs tant sur les délais que sur le processus consultatif. Vous avez réagi dans la presse déjà. Certaines questions ont déjà été posées aussi. Je me limiterai pour ma part à deux petites questions complémentaires. Quid, si la Cour constitutionnelle casse le dispositif de l'ordonnance de 1995, est-ce que la région sera tenue d'indemniser les chauffeurs nouvellement interdits d'exercer, s'ils sont bien interdits d'exercer d'ici l'été? Et deuxième question, en décidant de procéder immédiatement à des contrôles, est-ce qu'il a été tenu compte des conséquences sociales pour les chauffeurs concernés et leurs familles? Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Monsieur Levenstein, nous passons à présent à Monsieur Andichi. Merci, Monsieur le Président. Bon, moi, j'en ai un petit peu marre de cette politique. D'un côté, on dénonce et de l'autre côté, on est responsable. Ici, je vise clairement le CDH. Hein, donc, depuis 2015, il faut quand même pas oublier que vous étiez dans la majorité. Donc, vous êtes quand même responsable sur 4 ans de l'inaction de ce gouvernement. Le gouvernement Rudy Vervoort II, c'est vrai, n'a rien fait à regarder la couleur du plafond. Aujourd'hui, nous sommes sous le gouvernement Rudy Vervoort III et on est dans une situation catastrophique, Monsieur Vervoort. Hier, vous aviez devant les portes de ce Parlement des taximans qui sont en train de dénoncer leurs conditions de travail et leur marché qui se réduit de plus en plus à côté de ça. Ils ont des revendications claires. Quand on les entend parler, en fait, ils veulent quoi? Ils veulent travailler, ils veulent un statut et pouvoir nourrir leur famille. J'ai été, et je pense avoir été le seul politique à être devant le Parlement, avoir discuté avec les taximans, et ensuite, j'ai été avec deux représentants de taxi. J'ai été avec
J'ai été avec Younes, j'ai été avec Ismaël, et on a été voir ces chauffeurs LVC. Et ils se sont mis d'accord, monsieur Ridivor Voort. Ils se sont mis d'accord sur quoi? Et en fait, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'ils faisaient tous partie de la même famille, la famille des chauffeurs. La famille des chauffeurs d'utilité publique et qui rendent un service aux citoyens. C'est possible, monsieur Ridivor Voort, c'est possible de se mettre d'accord. Quand on est reparti de ce rassemblement de LVC, vous savez ce qu'il me dit, Younes? Bah tiens, je suis étonné. Les chauffeurs LVC sont aussi anti-Uber. Bah oui, les chauffeurs LVC sont conscients de leurs conditions journalières. Ils se font exploiter par Uber. Donc ici, monsieur le ministre-président, monsieur Vervoort, c'est de votre responsabilité aujourd'hui de prendre un plan taxi qui intègre tout le monde dans le giron bruxellois. Ils veulent tous travailler avec une application public, que vous l'avez même dans votre plan taxi. Maintenant, il va falloir la sortir de votre chapeau et de la développer. Monsieur Vervoort, c'est de votre responsabilité. Pas dans 7 ans, là maintenant, la situation est quand même catastrophique. Ils veulent une application publique pour pouvoir travailler. Ils veulent un statut et ils veulent travailler en bonne harmonie tous ensemble. Donc ça, c'est vraiment le dénominateur commun entre tous les chauffeurs. C'est pas Taximan contre LVC, c'est Taximan et LVC ensemble dans un marché public. Je vous remercie. Merci, monsieur Andichi. Alors, je cède à présent la parole à monsieur Fouad Haïdar. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre-président, vous êtes depuis plus de 2 ans maintenant en charge du secteur du taxi à Bruxelles. Et ce que nous constatons, c'est que la situation est aujourd'hui des plus inquiétantes. Une fois de plus, les rues sont remplies de chauffeurs qui craignent pour leur avenir, un avenir que certains chauffeurs n'arrivent plus à imaginer. Ne perdons pas le point essentiel de vue dans cette discussion, notamment de trouver le plus rapidement possible de nouvelles règles dans lesquelles tout le monde sera traité de la même manière, avec les mêmes objectifs, mais surtout les mêmes obligations. Avec des conditions de travail adéquates, avec des dispositifs et des services modernes, un statut renforcé pour tous les conducteurs, des conditions claires pour obtenir des licences, un nombre de réalistes de licences pour un marché durable, tout en évitant l'asphyxie de ce dernier. Sans oublier une protection sociale juste et équitable pour tous et de tout, couronnée d'une concurrence libre et loyale. Il y a 3 ans de cela, nous disposions d'un plan taxi, un plan qui n'était pas figé ou cadenassé. Il était question d'amender ce plan et de faire en sorte de le rendre le plus équilibré possible. Mais rien n'a été fait. Mais ce plan est depuis lors resté lettre morte, tout en laissant l'incertitude que la frustration a gagné un grand nombre de chauffeurs bruxellois. Cette situation n'est dans l'intérêt de personne. Monsieur le ministre-président, vous êtes à présent le chef d'orchestre qui devra assurer une symphonie dans ce dossier afin d'éviter à tout prix une cacophonie. Il faut également arrêter de souffler le chaud et le froid dans ce dossier, car ne pas s'attuer sur ce dossier serait maintenir et favoriser un chaos insoutenable pour ces milliers de chauffeurs. Et de grâce, cessons de monter les chauffeurs de taxi contre les chauffeurs LVC, Uber et vice-versa. Il s'agit avant tout des personnes et des chauffeurs responsables désirant transporter des personnes d'un point A à un point B de manière agréable, efficace et ainsi gagner décemment leur vie. Cessons également avec ces clichés à leur égard. Les chauffeurs LVC Uber veulent également évoluer vers un statut décent et les chauffeurs de taxi souhaitent également travailler avec des applications modernes et efficaces et c'est déjà le cas pour la majorité d'entre eux. Uber est aujourd'hui une plateforme pour moi illégale à Bruxelles en matière de travail en tant que taxi. Il s'agit donc maintenant de créer des conditions de concurrence équitables qui tiennent compte des préoccupations de tous les conducteurs et des clients bruxellois qui simultanément fixent clairement les limites des plateformes ou des entreprises dans lesquelles les conducteurs travaillent de sorte que les abus et les sous-protections des chauffeurs puissent être éradiqués. Nous ne pouvons donc pas envisager que Uber puisse devenir une plateforme. Bruxelloise distribuer des courses à tous les chauffeurs de taxi reconnus. C'est-à-dire qu'ils verront bien comment vous allez vous organiser, mais qu'ils peuvent distribuer, comme tu peux commander un taxi jaune, taxi bleu, taxi vert, Victor Cab, et qu'il y a Uber, c'est possible, mais qu'ils le travaillent avec un certain nombre de taxis qui sont reconnus. Monsieur le ministre-président, vous avez récemment annoncé qu'un projet d'ordonnance sera prochainement présenté. J'espérais que toutes ces discussions autour de l'ordonnance 95 deviendraient immédiatement caduques et laissera place à des mesures concrètes. Il va sans dire que ce flou artistique ne peut plus durer longtemps. Quel est le timing concret de la mise en application de la nouvelle réglementation? Je termine, Monsieur le Président. Comment comptez-vous appliquer les différents parties concernées, le secteur des taxis, les chauffeurs, aujourd'hui les clients, les partenaires sociaux? Quels sont vos principaux objectifs pour parvenir à cette réforme? Rejoignent-elles les grandes lignes du précédent plan de taxi ou de conclusion de l'étude Deloitte? Voilà. Merci, je vous remercie, Monsieur le Président. Excusez-moi du retour. Merci, Monsieur Haïdar. Monsieur Casban. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre-président, vous n'avez pas été épargné ces derniers jours pour avoir décidé de faire appliquer la législation en vigueur sur le transport rémunéré de personnes au moyen de contrôle.
Et je voudrais, au nom du groupe PS, vous féliciter et vous dire merci. Merci parce que ça fait plus de 7 ans que je dénonce l'ubérisation et c'est la première fois que j'entends qu'un ministre veut faire respecter la législation. L'arrêt de la Cour d'appel vous donne raison en affirmant que Uber use d'un montage frauduleux pour offrir un service de taxi en utilisant des licences prévues pour un service limousine LVC. Des réactions offusquées de certains me surprennent. Sans doute préfèrent-ils que l'état de fait se substitue à l'état de droit. Les conditions de travail des chauffeurs Uber sont indignes, préoccupantes, et nous continuons d'affirmer que l'ubérisation de notre société induit un capitalisme sauvage qui menace nos acquis sociaux. Mon groupe se battra toujours pour le droit à un travail digne contre un système d'exploitation des travailleurs qui nous ramène aux conditions du 19e siècle. Dès lors, où est le progrès ? Nous sommes plutôt dans une régression. Vous avez rencontré les protagonistes, gageons que le dialogue entamé entre tous les intervenants permette de cadrer toutes les parties dans le champ d'activité que leur confèrent leurs licences respectives. À ce sujet, quelles sont les pistes qui se dégagent ? Envisagez-vous un véritable plan pour le transport rémunéré de personnes, que nous appelons de tous nos voeux, où en est le projet de modification de l'ordonnance ? Il semblerait déjà qu'une piste existe avec la possibilité qu'auraient les entreprises de taxi actuelles, malgré les difficultés qu'ils rencontrent, d'engager entre 500 et 600 personnes avec de vrais contrats salariés. Avez-vous des perspectives à annoncer quant à l'accès au métier du chauffeur de taxi qui faciliterait l'obtention du certificat de capacité et ainsi sortirait les chauffeurs des plateformes de l'exploitation qu'ils subissent. Je le dis toujours et je le dirai encore, nous n'accepterons jamais le modèle que nous imposent les plateformes du type Uber, Airbnb, Hitch ou encore Deliveroo, qui a pour projet et idéologie d'en finir avec le salariat. Monsieur le ministre-président, les contrôles ont-ils commencé ? Les 3000 familles qui dépendent du taxi bruxellois et qui souffrent depuis des années ont placé en vous leur confiance et attendent que vous confirmiez la mise en place des contrôles, indispensables au bon respect de l'ordonnance. Il serait en effet vain de travailler à une nouvelle ordonnance si nous n'avons pas préalablement montré notre capacité à faire respecter celle qui accourt actuellement. Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Merci, Monsieur Casban. Je cède à présent. Non, il y a encore une question, excusez-moi, Monsieur Vervoort. Il y a encore une question, celle de Monsieur Hicham Tali. Vous avez la parole, Monsieur Tali. Merci, Monsieur le Président, on m'entend ? Allez-y, parfait. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre-Président, la presse nous apprenait que la Cour d'appel de Bruxelles a rendu un jugement qui estime que l'application UberX violait la réglementation bruxelloise applicable aux taxis. C'est une grande victoire pour le secteur officiel qui souffre depuis de nombreuses années de la concurrence déloyale d'Uber, mais qui ont été aussi victimes du laisser-faire du gouvernement précédent qui a laissé s'installer Uber. En effet, Uber viole depuis de nombreuses années l'ordonnance de 1995 qui réglemente le secteur de taxis officiel bruxellois. Le dispositif PERA a été qualifié de frauduleux par la Cour, ainsi que l'utilisation d'une application permettant de rendre des courses à la chaîne n'était pas compatible avec la réglementation prévue par le LVC. Il faut cependant rappeler que les juges ont souhaité poser deux questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle afin de voir si la législation bruxelloise et wallonne était compatible avec, entre autres, la liberté d'entreprendre. Et que donc, cette triste saga judiciaire n'est pas encore clôturée. Monsieur le ministre-président, vous avez donné plusieurs interviews ces derniers jours qui allaient dans différents sens et de facto, on ne comprend plus très bien vos intentions. Et donc, mes questions sont les suivantes. Est-ce que les instructions données à Bruxelles Mobilité sont-elles maintenues ? C'est la principale question que j'ai à vous poser aujourd'hui. Vous avez dit également que les chauffeurs Uber sont victimes de la plateforme Uber. Et on est totalement d'accord avec cette analyse et que des mesures d'accompagnement seront prises. Et donc, on aimerait aussi vous entendre sur les mesures d'accompagnement qui vont être prises à l'égard des chauffeurs Uber qui se trouvent dans une situation précaire aujourd'hui si les instructions données à Bruxelles Mobilité sont maintenues. En effet, nous voulons absolument éviter que deux groupes de travailleurs précarisés, c'est ce que disent l'ensemble des intervenants, soient renvoyés dos à dos. Quand la réforme du secteur qui doit bénéficier aux usagers et améliorer le service qui est inscrit noir sur blanc dans notre DPG va nous être présentée. Je rappelle que je siège en commission affaires intérieures depuis le début de cette législature et qu'on n'a encore absolument rien vu dans ce domaine-là et on le regrette fortement parce que nous aussi on a envie de contribuer à moderniser le secteur et à travailler sur cette réforme. Il faut souligner que de nombreux efforts ont été faits depuis de nombreuses années par le secteur officiel du taxi pour se moderniser, mais le cadre législatif n'est plus adapté. Nous voulons un opérateur unique, avec un numéro unique, une application unique dépendante, pourquoi pas de Bruxelles Mobilité, ainsi qu'une attention particulière sur la féminisation du secteur.
Pour mon groupe, le secteur du taxi est un acteur essentiel de l'activité économique et touristique bruxelloise, est un allié incontestable pour répondre aux enjeux de mobilité à Bruxelles. Merci. Merci, monsieur Tali. Voilà, je cède à présent la parole à monsieur le ministre président. Merci, monsieur le président. Alors, mesdames, messieurs les députés, le débat que nous avons aujourd'hui trouve sa source dans un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles rendu ce 15 janvier 2021, arrêt dont le contenu doit être pris en compte pour ce qui concerne le contrôle du respect de l'ordonnance du 27 avril 1995. Vous voulez que j'enlève mon masque ? Ah non, je veux. Vous me ne me le reprocherez pas. Donc. Bon, je recommence ou non ? Ah, ok. La Cour d'appel de Bruxelles a rendu une décision à caractère interlocutoire, avant dire droit, mais constate très clairement le non-respect de l'ordonnance en vigueur par les véhicules LVC utilisant l'application UberX et adhérant de ce fait au contrat cadre Platform Rider Association. Après examen du contenu de cet arrêt, nous avons considéré que nous devions prendre en compte son contenu dans l'exercice du contrôle du respect de l'ordonnance par les taxis LVC que Bruxelles Mobilité assure tous les jours. Wat bepaalt dat arrest? Om te begrijpen wat erin staat, moeten we rekening houden met het verschil dat de ordonnantie maakt tussen taxidiensten en diensten van een limousine met chauffeur. Dat is een fundamenteel onderscheid waarop de hele ordonnantie die vandaag van toepassing is, gebaseerd is. Taxis worden beschouwd als een dienst van openbaar nut voor het vervoer van personen. De verhuur van voertuigen met chauffeur richt zich op een niche publiek, en moet voldoen aan de exploitatievoorwaarden die in artikel 17 van de ordonnantie zijn omgesomd. Zo moet er een schriftelijke overeenkomst worden gesloten, moet het voertuig vooraf voor tenminste 3 uur worden geboekt, moet het na de rit terug naar de garage en wordt er na de dienstverlening een bedrag van €90 aangerekend. Het verbod om een GSM te gebruiken heeft te maken met het feit dat een limousine pas mag uitrijden na vooraf te zijn geboekt. Het is dus niet toegestaan om fysiek of elektronisch klanten te ronselen. Het Hof van Beroep voert in zijn arrest aan dat Uber een systeem van raamcontracten, de zogenaamde Platform Riders Association, die de gebruikers van UberX en de chauffeurs samenbrengt, heeft opgezet om de chauffeurs een verhuurcontract van €90 voor minstens 3 uur aan te bieden. Arrêt de la Cour d'appel affirme que le système mis en place par Uber reposant sur les contrats cadres d'IPRA, qui regroupe d'un côté les utilisateurs du UberX et de l'autre les chauffeurs pour fournir aux chauffeurs un contrat de location d'au moins 3 heures et de €90, la Cour affirme que cette construction juridique constitue une fraude à la loi. Elle dit que ces contrats, je cite, ont un caractère artificiel et n'ont d'autre but frauduleux que d'éviter certaines conditions d'exploitation qui encadrent leur activité. La Cour ajoute, Uber commet elle-même un acte contraire aux pratiques honnêtes du marché par lequel elle porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts des entreprises de taxi. Et donc la Cour condamne à la fois le montage du contrat cadre et constate l'illégalité de l'usage d'un GSM comme appareil de dispatching pour les LVC. Il ne s'agit évidemment pas d'interdire les smartphones, qu'ils pourraient de toute façon, mais bien de rappeler la réglementation du système du service limousine. Disposer d'un GSM est tout à fait légal, évidemment. Par contre, être équipé d'un téléphone équipé d'une application qui fait office de dispatcher de course n'est pas légal. Het verbod om een smartphone te gebruiken als dispatching-toestel geldt enkel voor de verhuur van voertuigen met chauffeurs en heeft te maken met de functie van die voertuigen. Voertuigen met een VWC-vergunning mogen geen klanten gaan zoeken op de openbare weg, dus fysiek ronselen, en het is niet de bedoeling dat zij aangesloten zijn op een platform dat hen opdrachten aanlevert die meteen uitgevoerd kunnen worden. La Cour condamne donc un montage mis en place par Uber et d'abord, il faut le rappeler, qui avait été validé par la justice en première instance. Rappelons comment Uber s'est implanté à Bruxelles. Lorsque Uber s'est lancé à Bruxelles en 2014, n'importe qui pouvait s'inscrire comme chauffeur avec son propre véhicule et proposer ses services. L'entreprise américaine est arrivée de 2014 à 2015 sous l'appellation, souvenez-vous, Uber Pop. La multinationale s'est vue condamnée à cesser ses activités en 2015. Suite au contrôle de l'administration bruxelloise de la mobilité, contrôlant l'effectivité des 3 heures de contrat. Lorsque la multinationale s'est aperçue de l'impossibilité de remplir cette obligation légale dans son premier business model, elle a donc développé en 2016, de toutes pièces, un contrat cadre qui consiste à regrouper des utilisateurs sans aucun lien dans un contrat de 3 heures. Et donc Uber est revenu sur le marché avec l'application UberX.
Sur le terrain, les demandes d'autorisation LVC non soumises, elles, à un numerus clausus, ce qui n'est pas le cas des taxis, ont explosé. Je vais vous donner quelques chiffres. En 2015, on comptait 217 LVC. Aujourd'hui, en mars 21, on compte 1191 véhicules LVC disposant d'une plaquette bruxelloise, soit une augmentation en quelques années de près de 450%. Sinds enkele jaar zijn er evenwel VWC-voertuigen als taxis. Die sterke toename van het aantal voertuigen leidt tot drukker verkeer en heeft een impact op het milieu. Een ander gevolg is dat er steeds meer vervoerders bijkomen en het is belangrijk om hun aantal te reguleren, rekening houden met de beperkende numerus clausus voor de taxisector. Daarnaast komen er nog eens 1000 tot 1500 VWC-voertuigen uit Vlaanderen en Wallonië. Door die oneerlijke concurrentie staat 20% van de taxifloot aan de kant. Daarin boven wees de sociaal-economische studie van Deloitte uit dat de sector kampt met een gebrek aan rentabiliteit. La souffrance sociale, et j'en suis bien conscient, elle est commune aux deux communautés de chauffeurs. La multinationale, de son côté, reste au balcon face à une situation devenue de fait insoutenable pour les petits acteurs économiques, chauffeurs et ou exploitants. Et je suis de manière égale touché par le désarroi des chauffeurs LVC et du secteur du taxi, parce que clairement, ils ne sont pas responsables de cette situation. Uber a induit en erreur ces acteurs. Ils étaient avertis de la fragilité du modèle économique. Les différentes décisions rendues par les cours et tribunaux, ici ou ailleurs, n'ont pas toujours clarifié la situation des chauffeurs. Alors, on peut citer Barcelone, Londres, Copenhague, Francfort, Genève, autant de grandes villes européennes qui ont décidé sous base de différents motifs. Alors, c'est le droit du travail, le droit du transport, le droit fiscal, de réglementer le secteur Uber. Donc, en ne s'inscrivant pas dans ces nouveaux cadres légaux, Uber est sorti de ces villes où on a contesté les décisions, ou en disant « changer la loi puisqu'elle ne me convient pas ». Gisteren heb ik op de ministerraad gezegd dat ik van plan ben om snel werk te maken van een ontwerpordonnantie die zowel de taxisector als de VWC-sector perspectief biedt door een nieuw gemeenschappelijk statuut in te voeren en dan te sturen op kwaliteitsvolle tewerkstelling bij operatoren die zich houden aan de regelgeving. Niet ik, maar de federale overheid is bevoegd om de verplichting op te leggen aan een arbeidsovereenkomst te sluiten waarin de verhouding tussen een chauffeur en een platform wordt geregeld. We zullen in onze ontwerpordonnantie echter wel opnemen dat alle platformen de geldende wetgeving en het statuut van de chauffeurs moeten respecteren. Les chauffeurs LVC devront répondre aux mêmes conditions que les chauffeurs taxi, parce que là aussi, il y avait une distorsion, puisqu'il était en fait plus simple de devenir chauffeur LVC, mais moins de contrôle. Et donc, je veux évidemment qu'ils répondent aux mêmes conditions que les chauffeurs taxi. Capacité professionnelle, honorabilité, formation. Et là, cette réforme est déjà bien avancée puisque le projet d'arrêté a été validé en deuxième lecture par le gouvernement et nous avons récemment reçu l'avis de l'APD, donc l'Autorité de la protection des données. D'ici peu, le projet d'arrêté sera approuvé en dernière lecture par le gouvernement avant son entrée en vigueur. De même, la révision à la hausse des conditions techniques des taxis PMR ont été revues dans un projet d'arrêté validé également par le gouvernement en première lecture. La qualité du service aux usagers est la base de notre réforme. C'est dans l'intérêt des clients, pour un service de qualité, que nous nous devons d'établir un nouveau cadre réglementaire. Ce projet d'ordonnance sera évidemment conforme à l'accord de majorité. Les principes généraux de la future ordonnance seront d'abord tracés par les membres du gouvernement avant de faire l'objet d'une concertation sociale élargie avec toutes les parties, taxis, LVC, représentants de chauffeurs, plateformes. Concertation sociale qui n'a jamais été suspendue. Mais voilà, et il faut que nous en soyons tous conscients, sans une dose de bonne volonté de part et d'autre, nous n'arriverons jamais à un compromis. Une réforme favorable à tout le monde est impossible. Toutes les revendications seront prises en considération, mais je le dis par avance, et c'est souvent le cas des bons accords, c'est qu'en général, quelque part, à un certain moment, ils fâchent tous les interlocuteurs, mais c'est la règle du jeu. Ah, monsieur le premier ministre de Eerste Voorzitter. Le changement d'équipe. Je ne sais plus où j'en ai témoin. Ah oui, on pourra satisfaire tout le monde. Alors, au sujet la question du contrôle. Compte tenu des considérations portées par l'arrêt du 15 janvier 2021, effectivement, il convient à l'administration de veiller à ce que les services de location avec voiture respectent l'ordonnance du 27 avril 1995 lors des contrôles quotidiens qu'ils effectuent.
Et donc, dans une première phase, et bien évidemment, ils recevront un avertissement s'ils ne disposent pas d'un contrat cadre portant toutes les mentions obligatoires. Brussel Mobiliteit stuurde daarover vorige week vrijdag een brief naar de VVC-exploitanten. Ook de Vlaamse en de Waalse overheid werden op de hoogte gebracht. Gisteren heb ik een gesprek gehad met de vertegenwoordigers van de VVC-sector. Ik wil de operatoren die daarin actief zijn, in het bijzonder moeilijke sociale-economische context van vandaag, niet verder verzwakken. Er moet echter voor gezorgd worden dat de dwingende bepalingen worden nageleefd. Niet de regering, maar de bevoegde minister beslist daarvoor. Alors, sous la portée de l'arrêt, ses conséquences et les questions préjudicielles, parce que j'ai entendu beaucoup de remarques par rapport à la dimension interlocutoire d'avant-dire droit. Avant de statuer, la Cour pose deux questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle. Et en posant ces deux questions, la Cour constitutionnelle s'interroge sur la constitutionnalité d'une disposition de l'ordonnance au regard du droit d'établissement et du droit d'entreprendre. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, des mesures de restriction de la liberté d'entreprendre et de la liberté d'établissement peuvent être justifiées pour des raisons impérieuses d'intérêt général à condition qu'elles soient propres à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles poursuivent et ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre. Je pense que nous devons, à cet égard-là, puisque cette question porte sur un des aspects, il était effectivement difficile de considérer que le fait d'attendre l'arrêt de la Cour constitutionnelle soit une option, dans la mesure où la Cour ne pose pas de questions relativement à la question du contrat cadre. Celui-là, en toute hypothèse, le jour où la Cour constitutionnelle rendra son avis, dans un sens ou dans un autre, le volet contrat cadre, lui, il demeurera, puisqu'en fait, la Cour constitutionnelle n'est pas saisie de la totalité de l'arrêt, hein, mais bien des questions préjudicielles. Ça peut paraître technique, mais dire aujourd'hui qu'en fait, il faut attendre parce que ça pourrait changer la donne, ça ne tient pas la route juridiquement parlant, parce qu'en réalité, nous avons analysé ça avec des avocats, enfin, je veux dire, ça ne s'est pas fait comme ça à la légère, puisqu'on pouvait effectivement se dire, tiens, dans le fond, on peut attendre, mais ici, on est dans une situation où en réalité, ça n'est pas vraiment... Oui, ça peut être une option, mais c'est une option qui, à mon sens, n'était pas du tout conforme à ce que sera le droit une fois que la Cour constitutionnelle aura rendu son avis. Donc voilà, c'est un choix, comme on a pu à d'autres moments faire d'autres choix, notamment en 2016, mais bon, à cet égard-là, je considère, bon, puisqu'en 2016, on s'est adapté à la première décision, hein, je le rappelle quand même, avant même qu'il y ait une décision définitive, il faut quand même rappeler ça, hein, l'histoire a ses droits. Et donc, par rapport à ça, je considère effectivement que c'était de ma responsabilité de faire les choses. Alors, ça ne veut pas dire, et j'ai bien entendu ce que les uns et les autres ont dit, il ne s'agit donc pas d'une discussion entre les ringards et les modernes, puisque la question du smartphone, hein, j'ai entendu, c'est le retour, c'est pas la question, c'est l'usage qui en est fait, donc... On n'interdit pas d'en procéder à, c'est d'en faire un usage qui soit contraire à la réglementation qui est d'application pour les limousines. C'est ça la différence. Puisque Uber, voilà, c'est la réalité, Uber a choisi une niche qui jusque-là avait 200-250 chauffeurs, qu'on connaît tous, hein, c'est les limousines qui circulent lorsqu'il y a des sommets européens, lorsqu'il y a des visites, enfin, tout, je dirais au service de la fonction internationale et d'un créneau de tourisme ici à Bruxelles. Et donc, ce sont des règles différentes, évidemment, et pour ne pas mettre ce secteur en concurrence au secteur des taxis, c'est pour ça qu'on a prévu toute une série de conditions d'exploitation du secteur limousine. Mais elles demeurent. Et en faisant ce choix, on a, je dirais, d'une certaine manière, tiré sur l'élastique très fort en créant une construction qui, on le savait, allait être contestée juridiquement. Et voilà, on est dans cette situation-là aujourd'hui. Et je le dis effectivement, parce que quand on voit l'explosion du nombre de chauffeurs LBC, c'est un élément qui plaide aussi pour qu'on aille très vite dans la recherche d'une solution. C'est ce que j'ai dit. Si on attend un an, on attend un an l'arrêt de la Cour constitutionnelle, ce ne sera pas 1300, ce sera peut-être 2000 personnes qui seront affiliées à un système qui risque de par lui-même de s'effondrer. Et donc, il faut effectivement, et c'est l'objectif que nous nous fixons, c'est trouver
une solution pour l'ensemble de ces personnes, qu'elles soient chauffeurs de taxi ou chauffeurs LVC, parce qu'ils sont effectivement, ils vivent la même situation, ils sont dans les mêmes galères, ils sont dans les mêmes difficultés sociales, et nous devons prendre l'ensemble en compte, et telle est mon intention, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre Président. Alors, comme convenu, il y aura des petites répliques d'une minute, pas plus, des intervenants qui ont posé des questions d'actualité. Monsieur de Beukelaar. Monsieur le Ministre Président, vous avez parlé longtemps, mais vous avez tenté de noyer le poisson. La question, elle est claire. Vous avez publié un communiqué de presse hier à 21h30 en disant que vous allez poursuivre les contrôles et les sanctions. Ce matin, on apprend qu'il y a des contrôles et des sanctions. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire oui ou non, vous allez poursuivre ça? Parce qu'alors, c'est très grave, c'est une gifle envers les chauffeurs LVC. On ne peut pas laisser les gens avec une insécurité pareille où tous les jours, ils se demandent si à chaque coin de rue, on peut leur enlever leur véhicule et leur enlever leur travail et leur salaire. Et donc aujourd'hui, vous ne répondez pas clairement à la question, vous gardez le flou. Ce communiqué de presse, c'est des méthodes d'avant-hier où ils circulent sur les réseaux sociaux sans qu'il y ait de signature, sans qu'on sache si ça vient de vous ou pas, partagé par les députés de votre groupe. Franchement, c'est pas digne d'un ministre-président de gérer un dossier comme ça. Je suis vraiment en colère, et les chauffeurs LVC aussi, ils ne sont pas dupes, vous les prenez pour qui, enfin? Merci, monsieur de Beukelaar. Meneer Verstraeten. Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de minister-president, u vergeet te vermelden dat de afgelopen 5 jaar uw regering, de vorige regering met u aan het hoofd, duidelijk heeft gesteld tegenover al die mensen die zich geëngageerd hebben bij Uber, dat het oké was met de wet. Die vraag is u gesteld en u hebt daar ja op gezegd. En nu is er een nieuw gegeven dat er een procedure loopt bij een rechtbank en u verandert het geweer van schouder, maar dat is onaanvaardbaar qua methode. Ondertussen zijn duizenden mensen, letterlijk duizenden mensen, hebben zich geëngageerd, in een auto geïnvesteerd, die job aangenomen, halen daar hun inkomen eruit. Je kunt niet van de ene dag op de andere zeggen en nu is het voorbij met uw inkomen en met uw job, zonder enig perspectief. Dus ik denk, wat wij van u verwachten, is dat er aan een oplossing wordt gewerkt, en dat hebt u gezegd dat u gaat doen, en dat in tussentijd dat u niemand nodeloos ongerust maakt, bang maakt over een verlies van inkomen, dat u die geruststelt en dat u zegt, we gaan nu geen heksenjacht organiseren op chauffeurs die gewoon hun werk doen. We gaan eerst werken aan een oplossing en nadien, eens het kader er is, dan handhaven. Dat is wat wij van u verwachten en ik hoop dat u dat ook effectief zal doen. In elk geval wil ik ook graag nog verduidelijkt zien, gaat u nu die sanctioneringen in de komende maanden stilleggen tot er een nieuw kader is. Dank u wel. Dank u wel, meneer Verstraeten. Monsieur Weitzman. Oui, je vous remercie, monsieur le président. Mais, monsieur le ministre-président, en fait, ce n'est pas une histoire d'un combat contre Uber, Hitch ou demain une autre plateforme belge ou européenne ou internationale que vous ne voulez pas voir en ville. C'est vraiment la question de savoir si aujourd'hui, ces travailleurs LVC peuvent, oui ou non, travailler. En fait, on en a rencontré hier qui, depuis lundi, n'osent plus sortir. Donc, ils n'ont pas de revenus. Et donc, vous ne répondez pas, et M. de Beukelaar a raison, vous ne répondez pas à la question sans sanction, point d'interrogation, saisie, point d'interrogation. Donc, que doivent-ils faire? Est-ce qu'ils peuvent sortir? Est-ce qu'ils peuvent travailler? Et vous ne respectez pas non plus, pour moi, l'arrêt de la Cour. L'arrêt de la Cour, il est interlocutoire dans son intégralité. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire ces sanctions. D'ailleurs, vous le dites ce matin dans la DH, vous dites que vous n'êtes pas obligé juridiquement de le faire, mais vous êtes obligé moralement de le faire. Qu'est-ce que ça veut dire moralement quand on est en capacité à venir avec une réforme équilibrée pour les taximen, pour les chauffeurs LVC et pour également l'ensemble des clients avant de l'arrêt de la Cour constitutionnelle? Donc je ne comprends pas vraiment votre attitude dans ce dossier. Merci, M. Weitzman. Mevrouw de Baat. Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer President, uw antwoord is absoluut niet zeggend. Neem uw verantwoordelijkheid op. U neemt een beslissing
Maar u weigert eigenlijk te zeggen wat daar de consequenties zullen van zijn. We hebben allemaal de vraag gesteld, gaan er controles komen, komen er compensaties? Het gaat over duizenden mensen die een lening zijn aangegaan, die misschien verantwoordelijkheid dragen voor een familie en minstens voor zichzelf, die werkelijk zonder inkomen dreigen te vallen. Wat gaat u doen? U heeft 6 jaar de tijd gehad om een oplossing te vinden, dat is er niet gekomen. En ik herhaal mijn standpunt, we moeten weg van de tegenstellingen. Het gaat niet tussen taxichauffeurs enerzijds en Uberchauffeurs anderzijds. Het zijn beide groepen die mensen met een precair inkomen. Die twee groepen. Het gaat niet over analoge oplossingen versus digitale, toekomstgerichte oplossingen. Ze kunnen beide hand in hand gaan. U moet absoluut indringend een gelijk speelveld creëren. En ik hoop dat u dat snel gaat doen. Maar in elk geval, en ik zal afronden, 1 iets weten we wel met z'n allen zeker. Dat is dat Brussel zich deze week nog maar eens als hoofdstad van Europa grandioos belachelijk heeft gemaakt. Dank u, mevrouw De Baat. Mevrouw Van Achter. Dank u wel, meneer de voorzitter. Minister-president, het is duidelijk dus uw bedoeling om verder waarschuwingen uit te sturen, verder te beboeten. Dus verder 3000 chauffeurs, hebben we vandaag de cijfers gehoord, van hun job af te pakken. Op een moment dat u verantwoordelijk bent om de wetgeving, die al lang achterhaald is, te vermoderniseren. Op een moment ook dat er nog een procedure hangt bij het Grondwettelijk Hof, waarbij de vraag gesteld wordt of onze wetgeving niet in strijd is met ondernemingsvrijheid. Dat is niet mis, hè? Op dat moment beslist u, met uw goedkeuring van regering of niet, ik weet het niet, beslist u om te gaan beboeten en sanctioneren. Ik denk dat het signaal uit dit parlement vandaag heel duidelijk is. Stop met die boetes, doe uw werk, maak een wet en los het op, zodat de rechtszekerheid is voor iedereen op het terrein. Dank u wel, mevrouw Van Achter. Mevrouw De Jonge. Dank u wel, meneer de voorzitter, meneer de minister-president. Ik hoor dat er snel een ontwerpordonnantie komt. Er blijven echter nog heel veel onduidelijkheden. En inderdaad, we mogen niet vergeten dat het gaat over het inkomen en de jobs van duizenden mensen. Nu, ik stel mij wel de vraag wat als het Grondwettelijk Hof zou gaan in de richting van het feit dat de wet van 95 strijdig is met het Belgisch economisch en Europees recht. Is er dan een risico dat de gedupeerden, als ze zouden gesanctioneerd worden, schadeclaims zouden kunnen indienen? Ik hoop in ieder geval dat we nu in een versneld tempo aan een gemoderniseerde wetgeving gaan werken. Dank u wel, mevrouw De Jonge. Monsieur Loewenstein. Oui, merci, monsieur le président. Alors, je voudrais être ici. Nous devons sortir de cette zone grise, de ce flou, qui est de sécurité juridique, de l'insécurité, de sécurité juridique. Votre son, votre son. Non, papa, vous m'entendez pas. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui. Donc, je disais que je voudrais être ici, qu'il est important de sortir de cette zone grise, de ce flou, qui crée de l'insécurité pour tout le monde. Non, c'est nous. Monsieur Loewenstein, je m'excuse, mais c'est incompréhensible à nouveau. C'est comme si vous parliez dans un bocal. Donc, Et tu es au Parlement en plus. Hein. Oui. Voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Encore mieux. Voilà. Ça y est. C'est mieux? Oui, parfait. Merci. Donc je recommence. Voilà. Je dirais qu'on doit sortir de cette zone grise. Non. Dès que vous vous mettez à formuler des phrases entières... À parler de zone grise, à parler de flou, ça devient flou. Alors, je vais prendre ma carte qui est laissée sur mon successeur, je reviendrai après. Oui, ok. Alors, je cède la parole à Monsieur Andici. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Vervoort, bon, je vais quand même retenir quelques éléments positifs. Hein. Vous avez dit rapidement une ordonnance avec des perspectives, statut commun, même conditions que les taxis, en concertation avec les LVC. Je vais retenir ça. Par contre, moi, je voudrais avoir des précisions rapides. Quoi ?
quand? Quand est-ce qu'on pourrait avoir une ordonnance dans ce Parlement pour pouvoir en débattre et les amender et on avance? Vraiment, je voudrais avoir une réponse par rapport à ça. Et les chauffeurs LVC et les taximans attendent cette réponse-là. Et je suis quand même assez d'accord, vous ne pouvez pas sortir de ce Parlement sans clarifier la situation actuelle d'aujourd'hui. Ça, c'est pas possible. Monsieur Vervoet, vous avez parlé longuement pour dire très peu de choses sur cette question. C'est une situation qui est... une tension qui est forte, dangereuse. Vous ne pouvez pas sortir de ce Parlement sans pouvoir répondre clairement. Et donc voilà, rapidement, une ordonnance, ça veut dire quoi? Et quand est-ce que vous allez entamer les concertations avec les chauffeurs LVC et taxi pour accoucher à un accord? Et ça, je voudrais quand même avoir une réponse. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Andichi. Collègue Ahidar. D'accord, Monsieur le Président. Il faudrait juste simplement dire simplement qu'on peut dire ce qu'on veut ici dans ce Parlement et on pourra se le répéter mille fois. Sauf qu'on n'a pas avancé d'iota et que quand il y avait le plan que votre gouvernement, mais aussi Pascal Smet, avait déposé dans le précédent gouvernement, malheureusement, à un moment donné, vous l'avez bloqué. Et je vois qu'aujourd'hui, on revient avec un plan, qu'il était buvable, imbuvable, qu'il était acceptable ou pas, on aurait dû mettre ce plan au Parlement et on aurait débattu de ce plan. Et on aurait donné un avis positif, un avis négatif, on aurait pu l'amender, on aurait pu le changer. Et à la fin du compte, s'il y avait une majorité, ok, il n'y avait pas de majorité, ça va à la poubelle. Et aujourd'hui, on revient avec la même sauce. On s'est dit, on va quand même mettre les gens autour de la table, et on va mettre maintenant les LVC, et on va mettre les chauffeurs de taxi. Et on entend donner 4 ans plus tard, et des drames familiaux se passent à l'heure actuelle. Donc moi, je ne comprends pas. On aurait pu discuter des licences, on aurait pu discuter de qui a le droit de céder sa plaque ou pas. On aurait pu parler de l'application, on aurait pu parler de comment ils vont s'aligner au prix. Enfin, tout ça, il y avait moyen de débattre et discuter. Aujourd'hui, il y avait un plan, ça n'a pas été fait, ça n'a pas été déposé au Parlement, et vous savez très bien, M. le Président, que ce n'est jamais laissé ou prendre ou à laisser. On aurait pu, nous, en tant que parlementaires, accepter le plan, ou le refuser, ou l'améliorer, ou le corriger. Aujourd'hui, il faut trouver des solutions. On a perdu du temps. J'espère qu'on pourra avancer très vite. Merci, M. Ahidar. Alors, deuxième essai pour M. Löwenstein. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez bien? Oui. C'est parfait. Alors, donc je disais qu'on doit sortir de cette zone grise, de ce flou qui crée de l'insécurité pour tout le monde et apporter enfin de la sérénité à ce secteur. Pour ce qui concerne les contrôles, vous répondez, Monsieur le Ministre Président, que dans un premier temps, ils recevront un avertissement. Je voulais savoir ce qu'il en serait du second temps, puisque c'est finalement ça qui pose la question qui reste floue et stressante pour les chauffeurs concernés. Et sur distraction, je n'ai pas entendu de réponse à ma question sur l'impact d'une réponse de la Cour constitutionnelle allant dans le sens d'une incompatibilité entre l'ordonnance de 1995 et la liberté d'entreprendre. Pour ce qui concerne enfin la réforme à venir, c'est important de rappeler, M. Haïdar l'a déjà fait, mais que du travail a déjà été effectué, des études ont été lancées et donc ne font donc pas partir de zéro. Donc j'espère qu'on pourra aboutir très vite à une solution apaisée pour tout le secteur. Merci, M. Löwenstein. C'était moins fort, mais c'était parfaitement audible. Alors, M. Icazban. Merci, M. le Président. Alors, j'ai entendu les collègues Wetzmal et de Beukelaar, en fait, reprocher au ministre-président d'exécuter la loi, de faire respecter la loi et l'ordonnance. Quand bien même la Cour d'appel a clairement dit que le montage du beurre était frauduleux. Mais moi, je remercie Rudy Vervoort de confirmer qu'il va faire respecter la loi et l'ordonnance. C'est quelque chose qui est imparable en démocratie. On ne peut pas accepter l'état de fait à la place de l'état de droit. Pour le reste, nous vous faisons confiance pour avancer le plus vite possible vers un véritable plan taxi qui va sortir d'abord le secteur du taxi de la situation dans laquelle il se trouve, mais également pour sortir les chauffeurs d'Uber des griffes de ces multinationales sans foi ni loi, qui n'ont comme objectif que de contourner nos règles et de maintenir le précariat. Je rappelle, et je conclue là-dessus, c'est quoi le projet d'Uber? Le projet d'Uber, c'est les voitures autonomes, c'est les voitures sans chauffeur, c'est les voitures volantes. En fait, ils s'en foutent des chauffeurs. Et je pense que notre responsabilité à nous, c'est de ramener de la sérénité dans ce secteur et de permettre à tout un chacun de pouvoir travailler dans la sécurité juridique, que ce soit comme indépendant ou salarié, mais pas dans des contrats de zone grise. Merci, M. Icazban. Et pour terminer, M. Tali. Merci, M. le Président. Je vais être très court et je promets de ne pas hurler. Donc, je vais revenir en fait sur les questions parce que je n'ai pas vraiment entendu les réponses du ministre-président. Est-ce que les instructions données à Bruxelles Mobilité vont être maintenues? Si c'est le cas,
Vous avez dit dans plusieurs interviews que des mesures d'accompagnement seront prises. Je ne vous ai pas entendu sur ces mesures concrètes que vous allez prendre pour accompagner ces chauffeurs Uber qui sont victimes de cette multinationale. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire pour leur venir en aide et pour les accompagner dans cette situation qui est difficile pour eux? Quand on va pouvoir discuter enfin en commission affaires intérieures d'un futur plan taxi? Je n'ai pas entendu de date précise. Et aussi rappeler qu'on ne veut pas opposer des travailleurs précarisés, qu'ils soient chauffeurs de taxi ou chauffeurs VTC. Donc, on attend rapidement un retour de votre part. Je vous remercie, monsieur le ministre-président. Monsieur Tali, merci. Monsieur le ministre-président, avez-vous quelque chose à ajouter? Mais par rapport à la question juridique, on dit que la Cour constitutionnelle pourrait annuler l'ordonnance. La Cour constitutionnelle est saisie d'une disposition de l'ordonnance, pas de l'ensemble de l'ordonnance. Et le fait ou non de considérer que cette disposition-là est contraire ou pas à la liberté d'entreprendre n'aura aucun impact sur les autres dispositions de l'arrêt de la Cour d'appel. En réalité, cette disposition-là, elles sont de fait coulées dans l'arrêt de la Cour d'appel. Et donc, La solution ne viendra pas du Conseil constitutionnel. Non, à l'inverse, puisque la jurisprudence est celle-là, on vit dans un état de droit, enfin, je voudrais quand même rappeler ça, on le dit suffisamment, c'est clair que le choix qui a été opéré, je l'ai dit, et c'est pour ça que je ne vise pas ici les travailleurs, mais le choix qui a été opéré par Uber de cette construction juridique, voilà, ne tient pas aux yeux de la Cour d'appel et est uniquement là pour détourner en fait la lettre et l'esprit de l'ordonnance de 95. Okay. Ça, c'est ce que la Cour d'appel dit et ne reviendra pas là-dessus. Il faut en être clair. Monsieur le Président, parce que c'est clair que, franchement, je m'attendais pas. On a toujours comme ça des décisions qui nous tombent dessus. Donc, moi, je n'ai pas, comme tout le monde, je pense, on n'a pas vu venir cet arrêt. Il est arrivé là maintenant, ça aurait pu être dans 6 mois, on n'en sait rien. Et donc, le fait que cet arrêt ait été rendu, fatalement, ça a des conséquences. Je veux dire, on ne peut pas faire comme s'il n'existe pas les décisions de justice. Voilà. Après, on peut se dire, moi, faites semblant de rien, attendez que... Mais non, ça, franchement, on me le reprocherait aussi en disant, mais... Et de toute façon, je vous dis, on a eu des échanges par rapport à ça d'un point de vue juridique. Donc, je vais être très clair par rapport à cette dimension-là. Et donc, moi, il apparaît très clairement qu'on est... La volonté, c'est quoi? C'est d'aller maintenant très vite. Oui, j'ai compris. Très vite. Et donc, on est dans un momentum où on peut aller très vite dans la recherche et le fait de trouver un accord. Monsieur... Moi, je veux profiter de cet espace-temps qui est donné avec toutes les réalités, et la réalité juridique qui est celle d'aujourd'hui, mais en sachant que ce n'est pas ça qu'on veut maintenir, ce qu'on veut, c'est une solution. Et cette solution-là, ben, on va faire en sorte, et dès la semaine prochaine, on va entamer des discussions au niveau du gouvernement. Merci, monsieur le ministre-président. La commission de l'Intérieur est totalement à votre disposition, si nécessaire, pour en débattre, parce que l'incident est clos maintenant. Mais je présenterai, il n'y a qu'un souci pour venir présenter l'étude... Okay. Deloitte, allez, un tout petit, parce que le Parlement a le dernier mot, mais très brièvement, Monsieur de Beukelaar. Mais ça fait 5 ans qu'on octroie une tolérance pour l'utilisation de ce smartphone pour les chauffeurs LVC. On n'est pas à 2 mois près. Donc si vous nous annoncez une nouvelle ordonnance pour l'été, vous devez maintenir cette tolérance jusqu'à l'été. C'est pour le bien-être et empêcher ces familles de tomber dans la précarité. Vos arguments ne tiennent pas la route, Monsieur le Ministre-Président. Vous l'avez dit dans la presse ce matin, juridiquement, vous avez l'autorisation, vous pouvez maintenir cette tolérance jusqu'à cet été. Et donc on vous demande de le faire maintenant. Le GSM n'est pas le problème, en fait. C'est ça aussi l'état de droit. GSM n'est pas le problème, je l'ai dit hier au secteur. N'est pas le problème, le GSM. Non. Le problème, c'est la convention. OK. Mais on a bien compris. Mais oui, mais on peut quand même réagir, monsieur le président. Comment? On peut quand même réagir. Très brièvement, parce que la réplique a eu lieu. Monsieur Wetman, allez. Oui. Oui, mais j'entends bien ce que vous dites, Monsieur le Président. Le problème, en tout cas, peut effectivement être la Convention, mais même, et effectivement, la réponse de la Cour constitutionnelle ne va pas avoir un impact sur ce qu'a dit la Cour d'appel par rapport à la Convention, mais même pour la Convention, vous ne devez pas faire appliquer ça maintenant, c'est un arrêt interlocutoire. Vous pourriez profiter
de la période de temps que pour pouvoir travailler tout simplement, sereinement sur une réforme et ne pas venir avec des sanctions. Okay. On vous demande si c'est possible de retirer cette circulaire. Ok. Meneer de voorzitter, ik wou ook een moment, korte seconde. On a, je dirais, validé la construction du beurre sur base d'un jugement qui était rendu en première instance. Oui. Okay. Et donc, et on aurait pu ne pas le faire. On aurait pu dire on attend que les recours soient... Mais ça ne sert à rien de pleurer sur le lait renversé. Et donc ici, on est au niveau de la cour d'appel. Alors vous me direz, parce que là on dit attendez l'arrêt de la cour constitutionnelle, on connaît quand même les gens qu'on a en face de nous, on ne va pas se raconter d'histoire. S'ils ont la capacité d'aller en cassation sur la base d'un vice de forme, ils ont des moyens illimités. Hein, donc, et après, on dira, mais il faut attendre l'arrêt de la cour d'appel qui sera saisi. Okay. Et on se retrouvera à la prochaine législature. Okay. Monsieur Verstraeten. Meneer Verstraeten. Ja. Dank u, voorzitter. Ja, ik sluit aan bij de collega's. Meneer de minister-president, u hebt 5 jaar lang met de vorige regering de werking van Uber getolereerd, altijd het signaal gegeven dat het oké was om zo te functioneren. Wat wij nu van u vragen is, schort het smartphoneverbod en de handhaving ervan, schort dat op tot er een oplossing is. U hebt zich geëngageerd om aan die oplossing te werken, dat is goed, we gaan eraan meewerken. Eens die er is, dan kan er gehandhaafd worden, maar niet in de omgekeerde richting. Dus die oproep, schort het verbod nu op. Oké, dat hebben we goed begrepen. Mevrouw Van Achter en mevrouw De Baat, zeer kort. Meneer de minister-president, het is duidelijk dat ook in uw meerderheid ze niet akkoord zijn met uw handelwijze. En u zegt, ik ben niet tegen de smartphone, maar we moeten een contract hebben. Een contract op pen en papier. Een contract gesloten op pen en papier. Allee, meneer de minister-president. We zijn niet meer in de tijd van het pen en papier. Hè. U moet nu vandaag ageren, niet de boel ophitsen. Integendeel, u moet een wet maken en die boetes opschorten. Uw standpunt is duidelijk. Dank u, mevrouw De Baat. Iets begrijp ik niet. Als u dan toch werkt aan een oplossing, waarom gaat u dan verder met controles? Waarom gaat u dan verder met sancties? Waarom maakt u dan het werk van die mensen onmogelijk? Dus ja, de boodschap is duidelijk. Hè. Schort dat smartphoneverbod op. Dank u. En dan waarschijnlijk een iets wat tegenstrijdiger stem. Monsieur Casban. Juste un petit mot. Mais tous ceux qui demandent aujourd'hui de ne pas respecter la loi, c'est justement parce qu'on n'a pas respecté la loi qu'il y a eu une explosion des licences qui font du taxi ici. Vous en êtes responsable aussi. 450%. Vous en êtes responsable depuis 7 ans. Vous en êtes responsable depuis 7 ans. Et donc, tout le monde sait que c'est parce qu'on n'a pas respecté la loi. Et aujourd'hui, vous demandez au ministre de ne pas faire respecter la loi. C'est incohérent. Depuis 7 ans, vous êtes responsable. Depuis 7 ans, vous êtes responsable. Et moi, je ne tiens pas de double discours. Moi, je tiens le même discours. Auprès de tout le monde. De taalwetgeving wordt in Brussel ook niet gerespecteerd. Le PS, c'est le double discours, connu depuis des années. Double discours, moi je fais pas comme vous. De taalwetgeving wordt ook niet gerespecteerd. Er zijn veel wetten die er niet worden gehandhaafd. Un peu de calme, s'il vous plaît. Parce que... Mais non. Mais c'est peut-être parce que vous êtes un peu plus... Quand il y a des contre-vérités qui sont dites, c'est vrai. On l'interrompt. Depuis 7 ans, tu assumes ça. 450%, c'est une contre-vérité. Depuis 2014, tu assumes cette responsabilité. Tu es dans la majorité avec un gouvernement que depuis 7 ans, sur le terrain. Avec le CDH aussi. Vous racontez n'importe quoi sur le terrain. Allez, pas n'importe quoi. Monsieur Casban, monsieur Amdichi, tous les arguments ont été échangés. Je rappelle au ministre-président que la commission de l'Intérieur est à votre entière disposition pour progresser, parce que l'incident est clos, mais le débat ne l'est certainement pas. Dank u wel, merci. Nous passons maintenant à la suite de l'ordre du jour, qui nous mène à parler du projet d'ordonnance et la proposition d'ordonnance numéro A221-2. C'est le projet d'ordonnance donc modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux concernant la protection des équidés utilisés pour le divertissement du public et de la proposition d'ordonnance de M. Gaëtan van Watsenhove, de Mme Dufourny, de Victoria Austraat et de Bianca De Baat modifiant cette même loi relative à la protection et au bien-être des animaux, en vue d'élargir le champ d'application de l'interdiction
de l'exploitation des ponies et des chevaux pour le divertissement du public. Et le ministre compétent est en notre présence. Bienvenue, Monsieur Clerc Failly. Je cède la parole à Madame Tchekalski, qui est la rapporteuse. Madame Tchekalski. Je m'en réfère à mon rapport écrit, Monsieur le Président. J'avais envoyé un mail hier. Voilà, c'est parfait. Vous référez à votre rapport écrit. Alors, la parole est à ceux qui la demandent. Si personne ne me demande la parole, je cède immédiatement la parole. Moi, monsieur. Oui, monsieur. Qui Van Gotsenhoef. Ah, monsieur Van Gotsenhoef. Ik heb ook in de chat aangegeven, meneer de president, de voorzitter. Ah, goed. Mevrouw, meneer Van Gotsenhoef, eerst dan. Monsieur Van Gotsenhoef, vous avez la parole. Merci. Dank u, voorzitter. Et voilà, pour rappel, en commission, nous avons voté favorablement le texte du ministre Clerc Failly. Nous n'avons donc pas voté sur notre texte, celui-ci étant devenu sans objet. L'ordonnance de 2018 était, on s'en souvient, devenue insuffisante. En effet, elle se cantonnait à interdire ces attractions avec singulièrement les déponets dans le cadre de fêtes foraines, sans préciser d'autres lieux dans lesquels ces attractions étaient susceptibles d'exister, comme les kermesses, les marchés. C'était singulièrement le cas sur le marché des abattoirs d'Anderlecht, manifestement un lieu concerné, qui restait concerné par ce genre de pratiques. C'est à notre initiative d'ailleurs, et le ministre l'a souligné, que le texte déposé par le ministre a été rédigé. Le ministre a déclaré en commission, et on l'en remercie, qu'il soulignait le fait que nous avions attiré son attention sur le vide juridique existant. On peut évidemment également souligner le rôle d'opposition constructive qui fut le nôtre dans cet âge et qui a permis en tout cas de résoudre un problème qui devait l'être. Les conditions des animaux qui sont exploités dans ces manèges sont évidemment déplorables. Tourner incessamment avec des enfants inexpérimentés sur le dos est en effet une situation extrêmement stressante pour les poneys, les chevaux et autres animaux. L'environnement animé et bruyant des fêtes foraines est également un élément néfaste pour le bien-être des animaux. En outre, le fait que les équidés sont tenus de se reposer dans des camions sur une surface généralement limitée durant leur pause et durant la nuit pose légitimement, évidemment, des questions et des préoccupations. Il y a un véritable changement de paradigme à notre époque relatif à la nouvelle considération que l'on a des animaux qui sont désormais aujourd'hui considérés comme des êtres sensibles et agir comme nous agissons, c'est-à-dire en faisant en sorte que des pratiques comme celles qui sont aujourd'hui rendues impossibles, c'est faire preuve d'humanité. Je souhaite évidemment encore revenir sur le sort des exploitants du manège qui était aux abattoirs d'Anderlecht et de demander que le suivi soit fait auprès d'eux afin qu'on puisse les informer évidemment de l'évolution des choses et aussi peut-être de se préoccuper du sort des animaux qu'ils ont exploités jusqu'à présent. J'aime à citer enfin cet auteur français Chateaubriand, qui disait qu'il n'y a pas un cœur pour les hommes et un cœur pour les animaux, mais on a un cœur ou on n'en a pas, et en l'occurrence ce texte fait progresser le bien-être animal à Bruxelles et nous sommes heureux d'y avoir participé activement. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Van Gotsenhoven. Je cède immédiatement la parole à Madame. Je crois que c'est Madame Victoria Ostrad, c'est ça? Oui, si vous voulez. Vous avez la parole, Madame Ostrad, puis ce sera Madame Parmentier, et puis Mevrouw Stoops, et puis Monsieur De Patoul. Vous avez la parole, Madame Ostrad.
D'accord, merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, il faut saluer les avancées législatives en faveur des animaux qui ont été adoptées lors de la précédente législature. Parmi elles, il y avait l'abolition de la pratique des carrousels à poney en vertu de l'ordonnance du 25 janvier 2018. Du moins, c'était l'intention du législateur, dont le texte était malheureusement un petit peu trop restrictif, puisqu'il n'interdisait ces manèges que dans le cadre des fêtes foraines. En raison de cette lacune non résolue, le carrousel en activité sur le site des abattoirs d'Anderlecht a pu continuer ses activités, à la surprise de beaucoup de défenseurs des animaux. Comme je l'ai expliqué en commission, il était important de résoudre cette incohérence dans la loi. Les poneys ne font évidemment pas la différence entre un marché communal et une fête foraine. Leur détresse est évidemment la même. Avec un peu de délai, nous répondons donc aujourd'hui de manière plus complète aux recommandations du Conseil bruxellois du bien-être animal, dont une majorité des membres appelait en 2017 à abolir la pratique des carrousels à poneys. Bien sûr, cette situation implique peu d'animaux et elle est loin d'être la seule problématique en matière de bien-être animal à Bruxelles, mais les manèges à poneys sont une manifestation criante d'une certaine vision des animaux que notre société a longtemps entretenue et je me réjouis que nous commencions tout doucement à nous en défaire. Étant co-signataire de la proposition, je voterai bien entendu en faveur du projet d'ordonnance pour lequel je remercie le ministre, qui amène d'autres reformulations pertinentes dans le sens où il vise désormais à protéger tous les équidés, et plus uniquement les poneys ou les chevaux, ce qui est évidemment le bienvenu. Je note par ailleurs que le dispositif du texte est motivé par la prise en compte des intérêts des équidés à éviter le stress, la foule, l'épuisement et le danger. Je vois donc le projet d'ordonnance comme une étape vers une vraie considération des intérêts de ces animaux, puisqu'une réflexion similaire peut être menée pour les chevaux utilisés d'autres manières dans l'espace public bruxellois et pour lesquels le gouvernement n'apporte à ce stade pas la même réponse. Comme je l'ai fait en commission, je tiens enfin à remercier mon collègue Gaëtan van Goetzenhoven qui, dès le début de la législature, a déposé cette proposition d'ordonnance visant un but similaire et qui est donc à l'origine de cette rectification. Merci donc à tous les collègues qui ont amené une meilleure protection des équidés. Je vous remercie. Merci Madame Ostrat. Madame Parmentier. Merci Monsieur le Président. Mais je ne vais pas ajouter grand-chose. Donc notre groupe est bien évidemment en faveur de cette proposition d'ordonnance qui répond aux imprécisions de la précédente ordonnance du 28 janvier 2018 déposée lors de la précédente législature. Ces précisions sont bienvenues et nécessaires afin de mieux protéger le bien-être des équidés dans notre région et donc nous y sommes très favorable, je vous remercie. Merci Madame Parmentier. Monsieur de Patoul. Monsieur le Président, je pense que Madame Staubs était avant moi. Mais... Ok, c'est très élégant de votre part. Mevrouw Staubs, u hebt het woord. Ja, dankjewel, meneer de voorzitter. Ik zal kort zijn, want het gaat hier gelukkig niet om het gebruik van een smartphone bij het vervoer via paard. Maar om een voorstel tot ordonnantie en een ontwerp van ordonnantie die samen ingediend zijn. Dus het zes en al, het was duidelijk dat iedereen vond dat er verduidelijkingen aan te brengen vielen ten aanzien van het verbod op het gebruik van paarden en ponies bij attracties op kermissen en vergelijkbare evenementen. Enerzijds ten aanzien van de discriminerende wettelijke incoherentie, maar ook ten aanzien van die uitbreiding voor alle paardachtige, dus ook ezels en muilezels. En het belang daarvan zal ik straks nog benadrukken als het over zeezoogdieren gaat, waar in sommige regio's uitzonderingen blijken te bestaan voor dolfijnen. Maar gezien de impact op het dierenwelzijn van het uren aan een stuk rondjes moeten rijden, de stress van een lawaaierige omgeving, onervaren ruiters en onvoldoende rust, ben ik tevreden met het ontwerp dat het juridisch kader voor het verbod verduidelijkt en versterkt. Tegelijkertijd wil ik graag benadrukken dat er ook nog veel initiatieven van burgers en verenigingen zijn waarbij paarden of paardachtigen op een educatieve manier deel van uitmaken van het project, waarbij dierenwelzijn wel geïntegreerd wordt in het project en dat deze met deze ordonnantie niet geviseerd worden. Groen zal het ontwerp van ordonnantie daarom meer dan graag steunen. Dank u, mevrouw Staubs. Monsieur de Patoul. Oui, merci, monsieur le Président. Donc, pour mon groupe, on se réjouit de la manière, donc, le sérieux du travail du ministre et l'adaptation de ce texte. Alors, c'est vrai que pour nous, il est vraiment important, quand on traite de questions liées au bien-être animal, de toujours réfléchir par rapport aux besoins, qu'ils soient physiologiques, éthologiques ou de santé de l'animal, et aussi de s'entourer de personnes expertes au niveau juridique et au niveau scientifique. Et c'est bien ce qui est fait ici.
Alors, on se réjouit effectivement que ce texte vise l'ensemble des équidés et pas seulement certains, puisque entre le bien-être d'un âne ou d'un poney ou d'un cheval, c'est le même. Et on se réjouit aussi des précisions qui sont apportées quant au lieu et au type d'attraction que vise ce texte. Je vous remercie. Merci, monsieur de Patoul. Monsieur le ministre ? Oui, je voulais à mon tour. À mon tour, me réjouir du soutien général qui a été apporté à ce texte qui vise à corriger et élargir l'interdiction qui avait été établie en 2018 et qui était imparfaite, qui ne permettait pas de protéger suffisamment tous les équidés. Et donc, je vous remercie tous et tous, même l'opposition qui a rejoint ce texte, et indiquer que nous avons suivi en ce sens les conseils et les recommandations du Conseil du bien-être animal. Ce sera sans doute le cas également, nous verrons, pour l'exploitation d'autres chevaux en région bruxelloise, sur lequel un avis a été demandé sur l'usage des chevaux pour tirer des calèches. Nous attendons un avis du Conseil bruxellois du bien-être animal sur la question. Je vous remercie. Merci, monsieur Clerfailly. Alors, nous allons passer. Donc, la discussion générale est close. Nous passons à la discussion des articles du projet d'ordonnance qui modifie la loi du 14 août 86. Relative à la protection et au bien-être des animaux concernant la protection des équidés. C'était le document 221 et 2. Alors, discussion des articles, article 1 à 5. Y a-t-il des remarques ou des observations ? Puisqu'il n'y en a pas, nous procéderons tout à l'heure au vote nominatif sur l'ensemble du projet d'ordonnance. L'ordre du jour appelle la discussion générale du projet d'ordonnance modifiant la loi du 14 août 86 relative à la protection et au bien-être des animaux. Document A291, 1 et 2. La discussion générale est ouverte. Madame Hadjik, rapporteuse, s'en réfère à son rapport écrit. Y a-t-il des collègues qui souhaitent intervenir ? Je ne vois pas sur le chat. OK. Je ne sais pas si monsieur le ministre souhaite dire un petit mot. Je vous remercie du soutien pour l'interdiction des pièges à colle. C'est ça qui est important. Les animaux souffrent avec ces pièges à colle. Donc les interdire est une bonne chose, absolument nécessaire. Mais... Je vous remercie, monsieur le ministre. Je vois que madame Ostrat souhaite intervenir. Madame Ostrat. Merci, monsieur le président. Je pensais qu'il y aurait plus de personnes qui prendraient la parole, mais ce n'est pas grave. Tout a été dit. Hein. Donc, quelques commentaires assez brefs pour ne pas répéter ce que j'ai déjà dit en commission. Donc, le projet de gouvernement concerne trois volets distincts. Il y a premièrement le projet d'interdire l'usage des pièges à colle, ce qui est bien sûr une mesure évidente, tant il s'agit d'une technique de mise à mort cruelle pour les animaux, qui ne répondait en fait déjà pas aux dispositions de la loi de 86, puisqu'il s'agit d'une méthode de piégeage particulièrement lente, douloureuse et non sélective. Cette avancée répond donc à la demande du Conseil du bien-être animal qui avait formulé en 2019 des recommandations auprès du gouvernement. Il y avait aussi celle de se concerter avec le fédéral pour interdire le commerce des pièges à colle. Pendant les discussions en commission, j'avais demandé si cette démarche avait déjà été entreprise par le gouvernement, mais je n'ai alors pas entendu de réponse. Je me permets donc de reposer la question ici. Un autre volet concerne le transport d'animaux vivants et prévoit plusieurs dispositions d'ordre technique. Elles concernent la formation des transporteurs d'animaux, les conditions d'agrément et la perception des redevances. Je n'ai évidemment pas de problème à soutenir ces mesures, mais elles ne vont évidemment pas changer grand-chose à l'horreur que représente le transport d'animaux sur de longues distances. On le voit encore ces jours-ci dans l'actualité, puisque depuis 2 mois, des centaines de bovins partis d'Espagne sont enfermés à bord d'un bateau, refoulés des différents ports auxquels ils tentent d'accoster. Des animaux seraient privés de nourriture et dans un état catastrophique. Leur abattage aurait commencé, mais il est difficile d'avoir des informations précises sur le sujet. Ces scandales sur le transport d'animaux sont récurrents. Je vais d'ailleurs déposer ces jours-ci une proposition de résolution pour demander un engagement de la région sur cette question. Et j'espère qu'elle pourra compter sur le même soutien que reçoit le projet d'ordonnance dont nous discutons ici. Et un dernier mot sur le troisième volet de projet qui concerne les établissements agréés et les conditions de commercialisation des animaux. Même si beaucoup reste à faire à ce sujet, au sujet des animaleries, les propositions vont dans le bon sens et je retiens surtout une disposition qui n'a pas été très médiatisée, à savoir la possibilité d'élargir le champ des conditions de commercialisation pour y intégrer notamment l'origine des animaux vendus ou donnés. Cette mesure ouvre la porte à une meilleure protection des animaux vendus, dont on ne connaît bien souvent pas les conditions d'élevage ou de capture. Cette mesure a donc du potentiel et j'espère qu'elle sera utilisée à bon escient. Je vous remercie.
Merci, Madame Oustrat. Je n'ai pas bien entendu la première question à laquelle vous me demandiez de répondre. Est-ce que vous pouvez répéter la première question, Madame Oustrat, que vous posez au ministre ? Parce qu'on ne l'a pas bien entendu. Oui, je m'en disais s'il y avait... Non, on n'entend pas très très bien, et donc c'est saccadé, donc on n'arrive pas à entendre. Donc je demande s'il y avait une entreprise avec le... S'il y avait... Peut-être qu'il faudrait couper votre caméra et reformuler votre peut-être question. Peut-être si je coupe la vidéo. Oui, voilà. Vous m'entendez mieux ? Oui. Allez-y. Vous m'entendez mieux ? Oui, oui. La première question. D'accord. Donc je demandais... Oui, je demandais s'il y avait une concertation entreprise avec le fédéral pour mettre un terme à la vente des pièges à colle. Concertation avec le fédéral pour les pièges à colle. Ok. Alors, je vois que des collègues, je vois Madame Tchekalski qui souhaite intervenir. Est-ce que Monsieur De Patoul, Madame Stopes et Monsieur Parmentier souhaitent, Madame Parmentier souhaite également intervenir ou pas ? Et nous sommes sur le document donc A292-1. Ja, tu es né. Alors, il y avait d'abord Madame Tchekalski. Merci, Monsieur le Président. Nous accueillons avec grand intérêt cette modification de la loi du 14 août 1986. Nous n'avons cessé de répéter en commission environnement qu'il faut renforcer les moyens pour la protection et le bien-être des animaux. La protection animale, ça passe par des actes qui leur permettent d'avoir une vie décente, mais aussi d'éviter des souffrances inutiles. Et les animaux ne sont pas des jouets ni des objets. Mes collègues et moi-même, nous cessons de répéter la nécessité de renforcer l'encadrement des établissements pour animaux, et en particulier pour les magasins des nouveaux animaux de compagnie. Mais il faut se donner les moyens. L'importance des effectifs au sein du département du bien-être animal constitue aussi un enjeu majeur. En ce qui concerne la nouvelle incrimination concernant l'utilisation des pièges à colle ainsi que les moyens mobilisés pour contrôler l'interdiction de certains types de publicités, ça concerne aussi une réaffirmation plus claire de l'incrimination pour les publicités pour la commercialisation des animaux. Un contrôle proactif doit être réalisé par le service d'inspection de Bruxelles Environnement à l'égard des annonces illégales. Donc en tout cas, nous vous remercions pour le suivi de ce dossier. Je vous remercie, Madame Tchekalski. Alors, je ne sais pas si d'autres collègues souhaitent intervenir ou pas sur ce document. Non ? Parfait. La discussion est close et je donne la parole un instant au ministre pour éventuellement répondre à l'une ou l'autre question. Donc, je vous remercie de vous soutenir à ce texte qui va nous permettre d'avoir des moyens plus forts pour pouvoir mieux contrôler les animaleries, lieux où on vend les animaux, etc. Mais pour répondre à la question de Mme Oustrat, nous avons écrit au fédéral sur la question des pièges à colle. C'est vrai qu'il y a une répartition des tâches. Nous pouvons limiter l'utilisation, mais pas la vente des produits qui peuvent porter préjudice au bien-être animal. Sur la question du transport des animaux, ces questions sont légitimes, mais ça relève de transport en dehors de nos frontières. Nous n'avons de compétences que sur les frontières de la région bruxelloise. Et enfin, sur l'origine des animaux vendus, c'est aussi une compétence partagée avec le fédéral, puisque s'agissant de biens vendus, c'est triste à dire ça pour les animaux, ça relève des règles du commerce. Et je vais voir avec le fédéral s'il est possible d'améliorer cette question quant à l'origine des animaux vendus en animalerie. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Je ne vois pas d'autres demandes d'intervention. La discussion générale est close. Nous passons à la discussion des articles. Articles 1 à 7. Pas de remarques, pas d'amendements. Nous procéderons tout à l'heure au vote nominatif sur l'ensemble du projet d'ordonnance. L'ordre du jour appelle la discussion générale du projet d'ordonnance modifiant la loi du 14 août 86 relative à la protection et au bien-être des animaux en ce qui concerne l'interdiction de détenir des cétacés et des pinnipèdes. C'est le document A292-1-2. La discussion générale est ouverte. Je cède la parole à M. De Patoul, rapporteur. Oui, merci, M. le Président. Mais je serai assez rapide, hein, simplement bon pour vous dire que ici, même si ce texte a une vocation qui est avant tout symbolique, bien la région rejoint un petit peu ses valeurs et rejoint également d'autres pays, d'autres régions qui ont déjà pris cette décision. Peut-être préciser aussi que la région est finalement aussi la première à prendre une telle décision pour les pinnipèdes. Et pour mes collègues qui ne savent pas ce que c'est, ce sont tout ce qui est phoque, otarie, etc. Par rapport aux discussions, comme il y avait une certaine unanimité sur les discussions, je me permets de m'en référer au rapport écrit. Je pense que mes collègues interviendront maintenant dans le débat. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur De Patoul. Pas d'autres demandes de parole.
J'ai Madame Siltje van Acter dans l'hémicycle. Mevrouw van Acter, u hebt het woord. Mais plusieurs dans le chat aussi. Ok, je vais regarder ça. Dank u wel, meneer de voorzitter. Dank u wel, meneer Patoul, voor uw rapport. We behandelen hier vandaag 4 wetgevende teksten om dierenwelzijn te verbeteren. Ik kan alleen maar... Ja, 3. 1 is rond, 1 is niet aangenomen. Maar bon, het staat toch op de agenda. Wat ik alleen maar kan toejuichen, gelet op het belang dat ik zelf en mijn partij hecht aan het bestrijden van dierenleed. En het is dus niet meer dan normaal dat we hier dan vandaag ook teksten aannemen die uitbuiting van ponies tegengaat, het gebruik van lijmvallen verbiedt, of opsluiten van dolfijnen en walvisachtigen onmogelijk maakt. Maar toch zit ik hier met een dubbel gevoel. We gaan hier nu vandaag dolfinaria en walvissen aquaria verbieden. Maar daarmee gaan we natuurlijk geen enkel dierenleed in Brussel verlichten. Want we hebben geen dolfijnen, laat staan walvissen, in ons gewest. En iedereen die onze stad kent, die weet ook wel hoe onwaarschijnlijk is dat er ooit een dolfinaria in Brussel zou komen. Onze kinderen hebben zelf niet eens zwembaden om in te zwemmen. Onze kinderen in Schaarbeek bijvoorbeeld, meneer de minister, die kunnen niet meer leren zwemmen. Laat staan dat we dan dolfijnen zullen ruimte geven om in Brussel te komen zwemmen. Dus dat is hoogst onwaarschijnlijk. Toch gaan we deze wetgeving mee stemmen. Het is puur symbolisch. We gaan daar geen enkel dierenleed in Brussel mee oplossen. Maar wat ik wel betreur, is dat er ondertussen wel op grote schaal dierenleed in Brussel wel plaatsvindt. En dat die olifant in de Kamer blijkbaar moeilijk mag benoemd worden. En dan heb ik het natuurlijk over onverdoofd slachten in Brussel. En dus, meneer de minister, ik moedig u aan om daar ook een prioriteit van te maken. Eigenlijk om uw prioriteiten juist te stellen. En om daar u vooral op te focussen. Want dezelfde commissie dat we deze teksten hebben besproken, heeft u mij geantwoord dat uw regering nog niet eens een standpunt heeft ingenomen over onverdoofd slachten. Wat ik ongelooflijk vind, aangezien er al een arrest is van het Hof van Justitie. En we weten nu hoe belangrijk de minister-president de arresten vindt. En het is het hoogste arrest van het Europees Hof van Justitie. Heeft een arrest geveld over dat onverdoofd slachten. En dat is blijkbaar nog niet eens nodig om dat te bespreken binnen uw regering. Het is een beetje twee maten, twee gewichten. Ik denk dat dat een belangrijk thema is dat in Brussel moet worden aangepakt. Dus ik roep u op om daar werk van te maken. Dank u, mevrouw Van Achter. Alors, j'ai on demande d'intervention. Madame, alors je regarde sur le chat, j'ai d'abord Madame Lottestoop, puis Madame Ostrad, puis Madame Parmentier, Monsieur Van Goetsenhoven et Monsieur De Patoul. Donc je cède la parole. Mevrouw Stoop, u hebt het woord. Dankjewel, meneer de voorzitter. Dit ontwerp stelt, net zoals het voorstel van resolutie waarvan het medeondertekenaar was, een verbod in op het houden van walvisachtige en zeeroofdieren. En zorgt ook de algehele opheffing van de mogelijkheid om een dolfinarium te openen op het grondgebied van het Brussels gewest. Deze enorme grote en slimme dieren dienen te gedijen in een maritieme biotoop. En ze mogen niet gereduceerd worden tot een attractie in een veel te klein aquarium. Dolfijnen en andere zeezoogdieren moeten niet dienen voor het maken van winst door puur publieksvermaak, zonder dat de rekening wordt gehouden met het dierenwelzijn. In dolfinaria zien we de behoeften van het publiek en in Vlaanderen ook de economische belangen van de parkeigenaars om hun infrastructuur niet te hoeven aanpassen met enorme kosten die eraan vasthangen, altijd boven die van de dieren gesteld. En deze dieren krijgen dagelijks met stress en gezondheidsproblemen te kampen door onaangepaste ruimtes. En zo symbolisch is het niet als we even een schooluitstap naar Vlaanderen maken. Ik citeer bevoegd minister van de N-VA, Ben Weitz. Ik wil alle opties ten aanzien van de toekomst van het dolfinarium openhouden en daarom heb ik dolfijnen niet meer opgenomen in de herziening van de afmetingen van verblijven en van zeezoogdieren. Dit terwijl dolfijnen volgens mij zeer duidelijk zeezoogdieren zijn en het advies van de Raad van Dierenwelzijn was om dolfijnen mee op te nemen in die categorie zeezoogdieren.
De enorme kosten die de uitbreiding van zo'n verblijven met zich meebrengt, is natuurlijk enorm. Maar als er hier voorrang aan gegeven wordt in plaats van aan het welzijn van deze dieren, dan zou het minstens te verwachten zijn dat de uitfasering op een ongelooflijk korte termijn gepland wordt. Maar daar blijft het gisteren naar. En tot vorige week had de minister hier ook geen antwoord op bij de parlementaire vragen van Groen. En om nog maar eens terug te komen op die beschuldiging van symboolpolitiek, zo zou je ook ons voorstel van een relantie om minstens 3 regeringsleden van ieder gender vast te leggen als symbolisch kunnen zien, want dat is toch al zo. Maar daar zal Valérie Dubut uit de Waalse regering er zeker van kunnen overtuigen dat wat niet is, nog kan komen. Dus doordat het ontwerp volledig gehoor geeft aan ons voorstel van resolutie, zal ik dit ontwerp voor een verbod graag steunen. En ik hoop dat de collega's van de NDA ook in Vlaanderen de strijd voor zeedieren mee willen opnemen. Dank je wel. Dank u, mevrouw Stoops. Madame Ostraat. Oui, merci, monsieur le président. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Ah, parfait. Alors, j'aimerais formuler un souhait à propos de ce projet d'ordonnance qui vise l'interdiction de la détention des cétacés et des pinnipèdes. C'est qu'il soit adopté à la mémoire d'une personne, un Bruxellois qui a dédié sa vie à la défense de la vie sauvage et en particulier à la lutte contre l'exploitation des animaux par les delphinariums. Cette personne, c'est Yvon Godefroy, un homme humble et discret qui se consacrait entièrement à sa fondation Dauphin Libre, qui était elle-même une source intarissable d'informations sur la question des cétacés et de leur triste vie en captivité. Yvon n'a pas vécu assez longtemps pour voir ce projet d'ordonnance être adopté, puisqu'il nous a quittés il y a tout juste un an. Il a néanmoins contribué à l'adoption de la mesure à Bruxelles, puisque quelques mois avant son décès, il aidait mon collaborateur et moi-même à la rédaction de la proposition de résolution que je déposais en juillet de l'année dernière, pour justement demander au gouvernement d'interdire la détention des cétacés sur le territoire de la région. Je pense qu'il aurait marqué cette journée d'une petite pierre blanche. Yvon n'assistera malheureusement pas non plus à la fin de l'utilisation des dauphins et des phoques détenus par le seul delphinarium belge, le Baudouin Sea Park de Bruges. C'était bien sûr sa volonté, ainsi que celle derrière ma proposition de résolution. Car si l'interdiction de la détention de cétacés et de pinnipèdes ne porte évidemment pas d'effet direct, même s'il n'était pas exclu qu'un investisseur un peu mégalomane établisse un jour un delphinarium à Bruxelles, l'intérêt est surtout d'inciter les autres États et régions à adopter une disposition similaire. Je pense donc qu'il est incorrect de prétendre que la mesure est uniquement symbolique. En l'occurrence, le nombre de pays qui interdisent soit explicitement, soit de facto la détention de cétacés et ou les delphinariums ne cesse en tout cas d'augmenter. C'est déjà le cas de 13 États membres de l'Union européenne, mais aussi du Costa Rica, du Chili et de l'Inde. À cette liste, nous pouvons ajouter la Wallonie depuis 2018 et l'adoption de son code du bien-être animal, et si tout va bien, la région bruxelloise dès aujourd'hui. L'argument central qui motive ces interdictions est d'ordre éthique. Il ne fait aujourd'hui plus aucun doute que les cétacés possèdent d'importantes capacités cognitives, qu'ils font l'expérience d'une vie émotionnelle élaborée, qu'ils tissent des liens familiaux. Enfermés dans des bassins de quelques mètres de long, ils sont privés de nombreux besoins élémentaires, le premier étant leur liberté. La bonne nouvelle est que s'il y a encore quelques années, plaider la cause des cétacés et des animaux en général au sein d'une assemblée parlementaire donnait lieu à des sourires ou des moqueries, on tend aujourd'hui à prendre conscience qu'il s'agit d'une cause sérieuse, comparable au mouvement de justice sociale, puisqu'elle touche à des êtres doués de conscience et d'émotion. Ou du moins, si on trouve la thématique risible, on ne le dit plus publiquement. Cette tendance vers une meilleure considération légale des animaux sauvages ne vient pas de nulle part. La Belgique peut ainsi compter sur une riche activité associative et militante qui réclame une réelle prise en compte des besoins des animaux sauvages et donc l'interdiction de leur détention au sein de delphinariums. Leur souhait est que les intérêts des animaux détenus au Baudouin Sea Park soient enfin pris en compte. La question a déjà été abordée en commission et on sait que le gouvernement flamand est favorable à un phasing out de son delphinarium. Il faut donc espérer que cette fermeture progressive éventuelle ne s'étalera pas sur de nombreuses années et qu'on étudiera sérieusement la possibilité d'une réhabilitation des animaux ou leur placement dans un sanctuaire. En attendant, je remercie vivement M. Claire Pailly et les autres membres du gouvernement pour ce projet d'ordonnance, mais aussi tous les co-signataires de la proposition de résolution, à savoir Ingrid Parmentier, Lotte Stoke, Jonathan de Patoul, Ariane Delobkovic, Leila Agic, Gaëtan van Gotenhoven et Gladys Kazadi. Il y a 20 ou 30 ans, des personnes comme Yvon Godefroy qui menaient de tels combats étaient au mieux perçues comme des originaux. Je me réjouis de voir que leurs revendications peuvent aujourd'hui percer juridiquement, même à titre posthume. Merci à toutes et à tous et merci à Yvon. Je vous remercie. Merci Madame Ostraat. Madame Parmentier.
Merci, Monsieur le Président. Nous sommes très contents de cette ordonnance hein, qui correspond effectivement à une demande que nous avons exprimée pour les cétacés dans la résolution qui avait été déposée par Madame Oustrate et dont elle vient de parler. Et donc, je ne vais pas en rajouter beaucoup. Hein. Effectivement, il n'y a pas actuellement de cétacés ou pinnipèdes détenus dans notre région, mais donc nous contribuons par cette ordonnance à éviter que ce soit le cas dans l'avenir. Et cela peut contribuer à mettre la pression sur les autres régions pour aboutir à la même décision. Voilà, nous allons donc voter évidemment en faveur de cette ordonnance. Merci. Je vous remercie. Monsieur Van Goetzenhoven. Merci, Monsieur le Président. C'est avec plaisir que nous avions co-signé en son temps le texte proposition de résolution de Mme Oustrate qui portait sur le même objet que la proposition d'ordonnance de Monsieur le Ministre. Nous soutiendrons donc évidemment aussi le texte présenté par le gouvernement, même si celui-ci est avant tout symbolique dans la mesure où la région de Bruxelles-Capitale ne compte actuellement aucun delphinarium sur son territoire et qu'il n'y a, à ma connaissance, aucun projet ou avant-projet en ce sens. Il est en effet aujourd'hui considéré que ces mammifères aquatiques, dont font notamment partie les baleines, les dauphins, les marsouins, n'ont plus leur place au sein de delphinariums ou autres aquariums spécialisés. Ces bassins de quelques dizaines de mètres de long ne répondent pas adéquatement aux besoins physiologiques de ces animaux habitués au milieu marin, le plus souvent de haute mer, et donc à parcourir plusieurs dizaines de kilomètres par jour. On peut donc se réjouir de la suite donnée à l'avis de la Commission bruxelloise des parcs zoologiques qui avait préconisé l'interdiction de la détention des cétacés sur le territoire bruxellois et précisé que les avis de cette commission donnent lieu à des textes qui font avancer utilement le bien-être animal dans notre région. Bref, nous nous réjouissons de nous être associés à cette démarche. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Van Goetzenhoven. Monsieur de Patoul. Oui, merci Monsieur le Président. Alors ce projet d'ordonnance, ce vote intervient quelques semaines après la saga des dauphins du parc Astérix en France que vous avez peut-être suivi et qui nous rappelle vraiment que la place des cétacés n'est pas dans un bassin. Alors je ne vais pas rappeler tout ce que mes collègues ont très justement dit sur les besoins physiologiques de ces animaux, mais peut-être un élément qui n'a pas été évoqué, c'est que tous ces animaux vivent bien plus longtemps en liberté qu'en captivité, et c'est bien la preuve qu'il y a un petit souci par rapport à ça. Alors certes, la mesure est quelque peu symbolique, mais les symboles sont parfois importants et peuvent faire évoluer des situations et bouger les lignes. Et je crois vraiment qu'il ne faut pas non plus mélanger tous les débats. Je vous remercie. Merci, Monsieur de Patoul. Monsieur le ministre ? Oui, mais faire de la politique, c'est aussi parfois agir sur les symboles. C'est aussi parfois voter un texte qui réaffirme des valeurs et qui réaffirme nos valeurs de respect du bien-être animal. C'est vrai que le risque est faible d'avoir un delphinarium en région bruxelloise ou même des bassins où l'on pourrait détenir des otaries ou des phoques. Mais comme certains l'ont rappelé, ces animaux sont des êtres qu'il ne convient pas de détenir dans des bassins. Il y en a dans les deux autres régions autour de nous. Il y a des delphinariums en Flandre et il y a au parc des Wailles des bassins où il y a des phoques et des otaries. Et donc, le vote de cette ordonnance a une valeur symbolique très importante, en ce sens qu'il affirme nos valeurs. Et je crois que nous sommes la première région, le premier texte du monde, qui interdit la détention de pinnipèdes. Donc, ça, j'espère, sera à valeur d'exemple et que nous serons, je l'espère, suivis par d'autres législations qui auront un aspect pratique beaucoup plus fort. J'avais sollicité l'avis de la Commission des parcs zoologiques dès novembre 2019. Pour aboutir à ce texte, la Commission nous a fait des recommandations très claires de bien adopter ces interdictions en région bruxelloise. Et donc, je suis fier et heureux que tout le monde, aujourd'hui, nous rejoigne pour voter ce texte. Même ceux qui pourraient critiquer son caractère peu pratique reconnaissent la valeur symbolique du geste que nous faisons aujourd'hui en votant cette interdiction au bénéfice de la protection de ces animaux. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, la discussion générale est close. Nous passons. Monsieur le Voorzitter, mag ik nog tussenkomen? Ja, geen probleem. Dank u wel, meneer de Voorzitter. Ja, meneer de Minister, ik hoor
uw antwoord en ik ga natuurlijk ook voorstemmen. Ik sta helemaal achter het symbool, moet mij niet twijfelen. Dat staat ook in mijn partijprogramma. Dat staat ook in mijn partijprogramma in Vlaanderen dat we moeten iets doen aan het dolfinarium. Dus of dat Vlaanderen u nu wil volgen, dat denk ik niet. Ik denk dat minister Weitz al heel lang bezig is met deze materie, al heel vaak heeft gezegd dat hij bezig is met een uitdoofscenario, wat hij ook voor andere sectoren heeft gedaan. Hij denkt aan de pelsdieren en zo verder. Hij werkt op het terrein aan oplossingen. En dat is niet met een vingerknip gedaan, dat weet u ook wel. Hè? Dus wie volgt, dat maakt niet zoveel uit. Wij gaan voorstemmen, maar mijn oproep, ik heb daar geen antwoord op gekregen, is natuurlijk dat wij onze prioriteiten ook moeten juist zetten en dat wij ook iets moeten doen aan ons dierenleed op het terrein. En dus daar denk ik dat uw prioriteit moet naar uitgaan. Dank u, mevrouw Van Achter. Alors, la discussion générale est close. Nous passons à la discussion des articles. Article 1er à 3. Pas d'amendement, pas de remarque. Nous procéderons tout à l'heure au vote nominatif sur l'ensemble du projet d'ordonnance. Alors, l'ordre du jour appelle la discussion générale de la proposition de résolution de M. De Wolf Van Goetzenhoven et consorts visant à encourager et coordonner les efforts des communes dans le contrôle des naissances et la gestion des soins apportés aux chats à raies en région de Bruxelles-Capitale. La discussion générale est ouverte. M. Cazier s'en réfère à son rapport écrit. Qui souhaite intervenir ? Alors, je vois Mme Tchekalski qui souhaite intervenir. Vous avez la parole, Mme Tchekalski. Merci, Monsieur le Président. Le groupe MR a déposé donc le 10 février dernier un texte visant à encourager et à coordonner les efforts des communes dans le contrôle des naissances et la gestion des soins à apporter aux chats à raies au sein de notre région. Pour rappel, les chats à raies sont des chats domestiques se retrouvant à l'état sauvage suite à une fugue ou à un abandon. Nous regrettons le manque de suivi de ces chats qui a des conséquences tant sur le plan sanitaire que sur le plan écologique. En effet, ces chats se révèlent souvent être porteurs de maladies. En outre, leur présence de plus en plus importante sur notre territoire peut amener à une diminution des oiseaux et des batraciens, par exemple. Mes collègues et moi-même avons eu des échanges avec les associations de terrain qui nous ont fait part de leurs préoccupations. L'une d'elles concernait la remise en liberté de ces chats. Si les chats ne peuvent être mis à l'adoption, les chats errants doivent idéalement être relâchés sur le terrain où ils sont capturés. Le nourrissage contrôlé des chats errants fait partie intégrante d'un plan de gestion proactif et éthique. Selon de nombreuses associations et des vétérinaires actifs dans ce secteur, il est important également d'attraper ces chats et de les emmener dans des refuges où ils peuvent être stérilisés et soignés. Ensuite, ils doivent pouvoir être remis en liberté si ce sont des chats à raies ou offerts à l'adoption si ce sont des chats errants qui ont été visiblement sociabilisés aux êtres humains. Bien entendu, cela se fait déjà par certains refuges et associations. Il faut poursuivre dans cette voie et soutenir les associations présentes sur le terrain. Mais malheureusement, chaque année encore, des milliers de chats sont euthanasiés dans les refuges, faute d'avoir été adoptés. Alors j'entends bien qu'il est compliqué de recenser tous les chats, mais face à la situation actuelle, il semble évident que malgré les moyens mis en place, la situation ne s'arrange pas. Des communes ont déjà mis en place des dispositifs, aidons-les encore pour gérer au mieux cette problématique, encourageons-les à créer des partenariats avec les acteurs de terrain et à s'engager à signer une charte reprenant les meilleures pratiques en matière de soins. Grâce à ces partenariats, il serait dès lors possible de mieux recenser et d'avoir une connaissance plus précise de la situation. En région bruxelloise, la stérilisation, l'enregistrement et l'identification des chats sont obligatoires depuis le 1er janvier 2018. Notre collègue, à l'époque secrétaire d'État en charge du bien-être animal, Mme Bianca de Batz, avait d'ailleurs lancé une grande campagne de sensibilisation en vue d'inciter les Bruxellois à adopter ces réflexes avec leurs animaux de compagnie. L'objectif était de sensibiliser le propriétaire, de lui rappeler la législation en vigueur et d'expliquer aux gens les bénéfices de faire stériliser son chat. Le ministre Claire Failly, lors des débats budgétaires relatifs au bien-être animal au sein de notre commission, avait d'ailleurs clairement mentionné son souhait de mettre cette problématique dans ses priorités. Allons plus loin dans les engagements et avançons réellement. La région flamande est exemplaire en la matière. En effet, une politique concrète en matière de gestion des chats errants est obligatoire pour toutes les communes. La loi sur le bien-être animal stipule que les communes flamandes sont responsables des chats errants sur leur territoire. Elles ont dès lors l'obligation de veiller à ce que chaque animal dispose, par exemple, d'un abri.
Notre proposition vise à aider les communes dans le recensement des chats arrêts présents sur le territoire bruxellois afin de s'assurer de leur évolution et d'identifier les lieux de regroupement. Le texte propose également au gouvernement bruxellois, main dans la main avec les communes, de promouvoir et de coordonner toutes les solutions visant à stériliser les chats et à leur donner des soins adéquats visant à éviter par la même occasion des problèmes, par exemple, d'ordre sanitaire ou écologique. Pour conclure, je tenais à remercier ma collègue Hilde Sab d'avoir soutenu ce texte en commission environnement. Par contre, je déplore le manque de cohérence du groupe écolo qui avait pourtant soutenu ce texte la législature dernière, mais qui l'a rejeté il y a 3 semaines. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame Tchekalski. Alors, je vois que Madame Parmentier souhaite intervenir, Madame Ostrat et Monsieur de Patoul. Madame Parmentier. Merci, Monsieur le Président. Donc, nous partageons les constats faits dans cette résolution concernant les problèmes liés aux chats arrêts, tant en ce qui concerne le bien-être animal de ces animaux, le transfert de maladies vers les chats domestiques et vers les humains, la pression qu'ils exercent sur l'écosystème urbain en chassant les petits mammifères, oiseaux et batraciens, et les problèmes de propreté publique dont ils peuvent être la cause. Pour ces 2 derniers points, il partage ses méfaits avec les chats domestiques. Ayant moi-même un chat bien nourri, je l'ai néanmoins déjà surpris dans les poubelles des voisins. Et leur instinct de chasse ne disparaît pas, malgré qu'ils reçoivent des repas réguliers et copieux. Il existe déjà un dispositif législatif qui traite de cette problématique. L'ordonnance du 16 mai 2002 relative à la stérilisation des chats errants permet à la région d'accorder une subvention commune qui procède à des actions dans le cadre de la stérilisation des chats errants sur leur territoire et l'arrêté de gouvernement du 1er décembre 2007 qui permet aussi le subventionnement des communes pour la stérilisation des chats errants. De plus, Bruxelles Environnement dispose d'un plan chat qui vise à lutter contre la surpopulation féline et qui est géré par le département bien-être animal. Depuis le 1er septembre 2012, la stérilisation était déjà obligatoire pour les chats en refuge avant leur adoption. Et à partir du 1er décembre 2014, la stérilisation est devenue obligatoire pour tous les chats vendus ou cédés. Et depuis 2018, tout propriétaire de chat doit le faire stériliser. Les communes ou les ASBL de protection animale reçoivent des subsides en vue de permettre la stérilisation des chats errants et des chats domestiques. Les subsides pour les chats errants en venant du ministre de l'Environnement et les subsides pour les chats domestiques venant du ministre du Bien-être animal. Les communes sont sensibilisées depuis nombreuses années sur cette thématique, notamment par le biais du label « Communes respectueuses du bien-être animal », où les 6 critères sur 11 doivent être respectés, et l'un des critères vise précisément la gestion des chats errants d'une manière respectueuse du bien-être animal. Le ministre du BEA a fait de la prolifération des chats une priorité. Je vous rappelle la campagne de sensibilisation « Stérilisez votre chat et tout sera peace and love » qui a été menée fin 2019, début 2020. Il nous semble donc que l'intérêt du gouvernement pour cette problématique est réel et qu'il a déjà pris des mesures fortes pour limiter la prolifération des chats en général. Une des des propositions que vous faites et le recensement des chats arrêts, ce qui nous semble difficilement réalisable puisqu'on ne peut pas distinguer un chat arrêt d'un chat domestique et qu'en plus les propriétés privées ne sont pas accessibles et c'est pour toutes ces raisons que nous n'allons pas soutenir cette résolution. Je vous remercie. Merci Madame Parmentier. Madame Ostrat. Merci Monsieur le Président. Il y a un constat que dresse l'ensemble des associations de terrain à Bruxelles et que j'essaye de relayer régulièrement. Malgré l'adoption en 2017 de la stérilisation obligatoire des chats domestiques, le nombre de chats errants ne diminue pas. Or, il ne faut pas être vétérinaire pour se rendre compte que pour un chat, une vie à la rue est une vie de misère. Il semble que le message n'est donc toujours pas suffisamment passé auprès d'une partie de la population et de nouvelles campagnes de sensibilisation s'avèrent donc nécessaires. Ça, c'est ce qui concerne le traitement de la source du problème, c'est-à-dire la stérilisation des chats domestiques. Mais il est aussi important d'agir sur les conséquences, en prenant en charge et en stérilisant les chats en rue. Il faut donc encourager les initiatives qui vont dans ce sens, et c'est l'objet de la proposition de résolution du MR. J'ai cependant quelques problèmes avec le texte qui a été déposé. Premièrement, mais ce n'est pas le plus important,
il y a la question de la forme. Les développements de la proposition consacrent 3 paragraphes aux dangers et aux nuisances que provoqueraient les chats, mais aucun à la question de leur bien-être. On peut lire que les chats sans maître posent un risque sanitaire pour les maladies zoonotiques qu'ils peuvent transmettre, qu'ils mettent en danger la faune sauvage, ou encore qu'ils sont une importante nuisance pour les humains parce qu'ils déchirent des sacs poubelles. Tout ça n'est pas complètement faux, mais il me semble tout de même que la raison première qui justifie la prise en charge de ces animaux, c'est pour leur éviter de nombreuses souffrances en rue. Le deuxième problème avec le texte, c'est qu'il dresse une distinction très essentialiste entre les chats errants et les chats à raies. Les termes ne sont pas définis dans la proposition, mais on y comprend que les premiers seraient plutôt sociables et adoptables, tandis que les deuxièmes seraient d'un tempérament plus sauvage. Cette distinction n'a pas beaucoup de sens à Bruxelles, où tous les chats sont en fait errants, puisqu'ils vivent à proximité des humains. Il ne s'agit pas d'animaux qui vivent dans la nature depuis des générations, loin des maisons, ce que désigne normalement le terme « arrêt ». Et puisqu'elle désigne sous des termes différents des animaux qui ne se distinguent par rien d'autre que leur comportement, cette séparation est également essentialiste. Elle sous-entend qu'aucun travail de sociabilisation ne peut être réalisé avec des animaux plus farouches. Ma troisième interrogation concerne davantage le dispositif du texte et est donc un peu plus fondamentale. Cela a été dit en commission et dans le rapport, les demandes qui sont formulées constituent essentiellement des idées lancées à l'adresse du gouvernement et des communes. Mais d'un côté, mis à part la question du recensement, ce sont des choses qui sont déjà répandues sur le terrain. Les communes sont déjà encouragées par un subside à la gestion des chats errants. Et beaucoup travaillent déjà avec des bénévoles habilités à les prendre en charge. Donc il n'y a pas grand-chose de nouveau. Et de l'autre côté, il y a la question qu'aucune disposition serait contraignante pour une gestion coordonnée des chats. Or, je pense que c'est ce qui manque à Bruxelles. L'action des communes à ce sujet est assez disparate. On pourrait, comme l'a très justement dit ma collègue, s'inspirer de ce que fait la Flandre, qui a inscrit dans son arrêté du 23 février 2018, au chapitre 5-2, l'obligation pour les communes de développer une politique de gestion des chats errants, qui est décrite de façon assez claire dans l'arrêté. J'invite donc le gouvernement à s'inspirer de l'exemple flamand pour rendre la politique bruxelloise en matière de chats errants plus coordonnée, efficace et généralisée. J'espère que l'idée fera son chemin. Pour ce qui concerne la proposition en question, elle a le mérite de pointer le problème du doigt. Mais j'estime certaines formulations et que les demandes manquent un peu leur cible. Je vais donc m'abstenir. Je vous remercie. Merci. Monsieur de Patoul. Oui, merci Monsieur le Président. Alors très brièvement, puisque vous nous avez demandé de ne pas être trop long et que beaucoup de choses ont déjà été dites, pour mon groupe, je me permets de rappeler qu'effectivement la question du recensement des chats à raies est difficilement réalisable. Rappeler aussi qu'il existe une obligation de stérilisation au niveau de la région, que les communes et les ASB de protection animale reçoivent des subsides qui permettent cette stérilisation, qu'il existe également le label « commune respectueuse du bien-être animal » et que pour obtenir ce label, un des critères vise une gestion des chats errants qui soit respectueuse du bien-être animal. Donc on a vraiment un objectif ici de réduction de la reproduction des chats afin d'éviter la prolifération des chats à raies. C'est un objectif qu'il faut continuer à poursuivre, bien évidemment, mais c'est sur une voie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur de Patoul. Voilà, la discussion générale est close. En application de l'article 91, nous procéderons tout à l'heure au vote nominatif sur les conclusions de la commission. Voilà, chers collègues, je suspends les travaux. Nous reprenons à 14h30 avec la séance de questions d'actualité.